Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hors-Jeu. On en profite pour prendre les derniers selfies, voilà, ils ont été cramés à l'image. On vous annonce tout ça bien sûr sur tous nos réseaux. Merci à vous de nous suivre tous les lundis, on est là, ça s'arrête jamais hein, Hors-Jeu, hein, c'est toute la saison. Et bien entendu, on est avec vous sur Twitch mais aussi sur YouTube, là vous pouvez nous lâcher voilà, des petits likes, des petits commentaires, histoire eh bien, d'animer tout ça, d'interagir avec nous et de faire bien sûr progresser l'émission. Dans cette émission, bien sûr, on est en mode trêve, mais on a préparé pas mal de choses. Hein. Forcément, on ne dort jamais. Hein. On a toujours des petits trucs pour vous régaler. Ça va être une émission très chill. Vous allez le voir dans le ton, dans l'ambiance. On vous réserve quelques petits trucs assez nouveaux. Mais avant de regarder tout ça, on va d'abord présenter le casting. Et aujourd'hui, il y a bien sûr Bruce Granek. Comment ça va, Prux? Écoute, c'est la trêve, donc non, t'as pas joué. Je peux pas parler de week-end mitigé, bah c'est pas non, possible. Ça va. C'est pas possible. Après, il y a eu la défaite de la France, mais, oui, mais même. Sinon, non, t'as pas joué, donc ça va à peu près. Donc ça va, c'est un bon week-end. J'ai pu souffler un peu, mais on va vite revenir à l'essentiel dans pas longtemps. Souffler, oui et non, t'as quand même pas mal couru hein, ce week-end. Hein. Ouais, petit match. Ouais, c'est vrai. Bah, toi aussi. Hein. Oui, moi aussi, c'est vrai. Il s'est donné. On a aussi Yous qui est là aujourd'hui. C'est comment vrai. Il va bien, le Yous? Bah écoute, je sors d'un padel là. Ah ouais? Je jeûne, donc j'ai une haleine, je vais pas trop me tourner. T'as l'haleine de la pâteuse d'après sport, d'après foot. Exactement. Bah, ça fait plaisir de te voir. Salut le chat. Et bah, salut à toi, Yous, merci d'être là. Et puis, bien sûr, notre ami Pipion qui est là, qui revient, qui fait son retour dans l'émission. T'as raté une émission? Ah, ils sont c'est tous honteux, devenus fous. Hein. Ils sont tous devenus fous. C'était le drame. C'était un drame. Bah, vraiment, écoutez, les gens. Mais il est où Pipion? Il est où? Non, mais franchement, ça va bien. On s'est reposé comme il faut. Ouais. Moi, tu sais, en période de trait international, je suis content. Hein, parce que, bon, d'une part, il n'y a pas cette horrible équipe que je suis obligé de regarder. Et d'autre part, bah, tiens, les barrages de l'Euro. Petit Géorgie-Grèce demain, là. On y va, là. C'est la meilleure cote de l'année. Là, pour moi, franchement, c'est Noël. Et lui, je te jure, il lui faut rien. Tu lui mets deux équipes, mais vraiment, mais du fin fond de l'Europe, il est content. Il est vraiment très, très heureux. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver dans l'émission. On me dit dans l'oreillette que tu es désormais partenaire Twitch, Yous. Ouais, c'est ça. Exactement. Bravo. J'emboîte le pas. Bravo. Merci. J'emboîte le pas de Scipion. Voilà. Une coupe. C'est le moment. Le partenariat. C'est quoi la suite, en fait? L'homme de 2024. L'homme de 2024. La présidence de la République, peut-être. Ah bah, pourquoi pas. On salue merci, d'ailleurs. Merci, le chat. Merci. J'en profite pour saluer le nouveau président du Sénégal. Hein, j'ai oublié son nom. Bassirou Ndiaye. Bassirou. Attends, il y a un truc au milieu. Bassirou Ndoye Ndiaye, quelque chose. Enfin, je suis désolé. En tout cas, on le félicite. Je le salue. Je le salue et je le félicite pour sa fabuleuse victoire. Étant sénégalois, c'était important de le faire. Messieurs, le sommaire pour l'émission du jour, bien sûr. France-Allemagne, on va en parler. Un match assez terrible de l'équipe de France, même peut-être angoissant des Bleus. Donc, on reviendra dessus. La revue de la semaine avec... bien sûr, toutes les petites infos croustillantes sur lesquelles on va revenir. On va notamment parler d'Hervé Renard, hein, qui a annoncé qu'il quitterait la sélection des féminines à la fin de la saison. La barre de pips avec un nouveau top 5, assez original en plus. Vous allez le voir, hein, ça va être assez sympa. La Ligue 1, c'est vrai que c'est la trêve, mais on va quand même faire un gros point parce qu'on va avancer sur le sprint final. Putain, on pouvait pas respirer encore quelques et jours, non. Putain. Et non. On va le faire, le pressing sur le FC Nantes. Ouais. Et on va se remettre. On s'occupera un peu de la Ligue 2 sur la fin aussi. On fera un bilan. On va même se remettre le calendrier du FC Nantes. On va se faire un petit kiff comme mais ça. Mais tous les calendriers sont casse-cou, je les ai regardés pour tout le monde en vrai. Tout à fait. Non, c'est un calendrier compliqué, mais c'est un peu pareil pour tout le monde. Ça va pas être simple. Et le retour du tribunal aujourd'hui, parce que vous le savez, en début de saison, on a fait des prédictions. Donc, comme d'habitude, on va revenir sur les prédictions foireuses qu'on a fait. Et du coup, c'est un tribunal que sur moi ou les autres de la team hors-jeu, ils peuvent manger? Parce que jusqu'à maintenant, il y a que moi. T'inquiète pas, Bruce. Alors qu'il y en a qui ont beaucoup plus de dingueries, mais. Alors, Bruce, on va commencer le tribunal. C'est quoi? Je vais spoiler. On va commencer le tribunal et on va mettre en premier Braque a dit le Real ne passera pas les poules de la.
champion. Forcément toi, mais je on va mettre ça et comme ça tu vas être très tranquille, tu vas être très calme et tu vas pas nous casser les oreilles. Voilà, c'est ce qu'il aime les caméras, celui-là pas forcément. Mais c'est dingue. Pas forcément toi, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Tout le monde a dit des dingueries, mais ça a sorti que moi. Juste parce que on a pas tout ça parce que l'autre qui est à la régie là, on va pas citer de nom. Tout le monde sait c'est qui. À chaque fois, il veut me faire. C'est bizarre, mais vous avez compris. T'inquiète pas. Ce tribunal va très bien se passer, Bruce. T'en fais pas. Et puis deux nouvelles séquences dans l'émission. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va être en mode très chill. Donc, on va vous présenter ça dans quelques secondes. Notre partenaire Winamax, quand même, hein, qui est avec nous, qui nous accompagne. Je vous avais promis qu'on vous ferait une énorme annonce prochainement. Ce sera pas aujourd'hui, mais ce sera très rapidement. Ça va arriver très vite. On doit le dire. Non, ça va arriver très vite. Je pense que c'est sur la prochaine émission. On comme est sûr. Ça, on prend le rendez-vous. On est sûr que ça va se faire au moins. Parce qu'à force de dire la semaine pro. Pour te dire, même, on a eu la validation, mais Poineau me dit ouais, non, on peut pas l'annoncer. Ouais, vas-y. Moi, je lui dis mais vas-y, Poineau, viens, on l'annonce. Ça fait 3 mois, on le dit aux gens. Et il me dit ouais, bah, vas-y, on verra prochaine émission. Donc, je vous promets que très rapidement, on va vous dire de quoi il s'agit. En tout cas, Winamax qui nous accompagne. Vous avez bien sûr sur le site winamax.fr ou sur l'application. Votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit. Vous déposez 100 €, vous avez 100 € en plus pour parier. Ça, c'est cadeau. C'est de la part de notre partenaire, bien entendu. Avec le code HORJE10, vous avez en plus 10 € de bonus supplémentaires. Et on vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Donc voilà, faites attention. Je lis ce qui est écrit devant moi. On ne devient pas riche avec les jeux d'argent. Donc voilà, mettez-le-vous bien en tête. Comme ça, on garde ça bien précieusement. Et puis, petite info avant de pouvoir commencer à lancer les débats. On va vous faire gagner deux places pour un match. Je vous en parle tout à l'heure, ce sera dans le Pronogate, donc soyez prêts. Il va y avoir une petite question qui va partir comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller réviser. Messieurs, on commence notre débrief du coup de France-Allemagne, des Bleus complètement à la rue, on peut le dire, hein, c'est vraiment le cas. Et la question qui se pose, forcément, parce que c'était quand même une sorte de répétition générale, Bruce, avant le début de l'Euro, contre l'Allemagne quand même, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est inquiétant de voir cette équipe de France se faire prendre comme ça? Ou est-ce que toi, tu te dis, bon, il y a encore le temps? C'est pas qu'il y a encore le temps, mais tu peux avoir un match sans. On ne va pas remettre tout en question parce qu'on a perdu un match. Après, l'Allemagne se fait 2 fois de suite. Il y avait aussi quelques absents importants du 11. Il y a des indéboulonnables. Je sais que Giroud, des fois, ça ne veut pas le voir tout le temps titulaire, machin. Pour moi, aujourd'hui, il est indéboulonnable, quoi qu'il arrive devant. Ouais. Théo Hernandez, etc. Bon, Griezmann, bien sûr. Qui les gens, j'ai l'impression, se rendent de plus en plus compte avec le temps que c'est peut-être lui le joueur le plus important de ces dernières années en équipe de France. Moi, ça fait longtemps que je le pense en tout cas, parce que voilà, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, qui dicte le tempo, etc. Et t'as besoin d'un mec comme ça qui te fait le lien entre la défense et l'attaque, on le sait très bien. Alors peut-être qu'avec même cette équipe-là, on aurait été en difficulté quand même, même avec le 11 type, en fait, c'est techniquement ou par contre, c'est pas normal parce qu'il y avait une telle différence techniquement entre les deux équipes, même malgré les absents et tout, on avait quand même des joueurs de ballon sur le terrain. Moi, c'est ça qui m'a posé le plus problème. Alors, l'envie, machin, tu vois, le pressing haut que l'Allemagne a pu mettre pour nous gêner. Il y a des choses, mais moi, c'est techniquement où j'avoue, j'étais extrêmement déçu. Qu'il y ait autant d'écart. On sait qu'il y a des cracks. Voilà, les deux jeunes, les Musiala et Wirtz, on n'est pas plus surpris que ça. On sait ce qu'ils peuvent faire et on l'a encore vu contre la France. Le retour de Kroos, bien évidemment, fait un bien fou à l'Allemagne. Tu as du Gundogan et tout. On sait qu'il y a du ballon, mais au milieu de terrain, enfin, on peut être en dessous, tu vois, de leur milieu de terrain. Et pour moi, ça pouvait être attendu, c'est logique. Mais à ce point-là, qu'il y ait un tel écart, moi, ça m'a choqué. L'Allemagne, c'était tellement propre. Bon, on ne les a pas gênés plus que ça par moment, parce qu'ils avaient tout le loisir d'orienter tout. Même quand on avait pressé un peu, ils ne s'affolaient pas, tu vois, il n'y avait pas de déchets. Alors que la France, il n'en fallait pas beaucoup pour justement provoquer du déchet chez eux. Donc, ouais, quand même assez déçu. Après, non, inquiet, non. C'est sûr qu'on aurait préféré gagner, mais encore une fois, on sait très bien qu'entre un match amical et une compétition internationale, ça n'a rien à voir, parce que tu as la pression, etc. Mais l'Allemagne, là, ils battent la France. Il suffit qu'ils battent les Pays-Bas, tu vois, avec le retour de Kroos, les jeunes, etc. Ça peut prendre un peu confiance, ils ont un euro chez eux. Par contre, ça peut relancer vraiment l'Allemagne pour pourquoi pas faire un bon euro. Quoi. Alors, Pipion, même question hein, qu'à Bruce. Hein. Est-ce que tu es inquiet déjà dans un premier temps? Et pour repousser un petit peu le débat, pour le prolonger, c'est cette pauvreté en fait, dans le jeu qu'on a pu voir sur ce match-là. Clairement, on a vu que la France était dépassée et que la France n'avait pas la réponse, n'avait pas de solution. On peut aussi parler de la personnalité, ça on pourra aussi l'aborder avec Youss, mais dans le jeu, est-ce que pour toi c'est aussi inquiétant dans le sens où cet euro va être très difficile quand même, on le sait, il y a quand même des équipes qui vont arriver bien armées. Est-ce que toi ça te fait peur ça de voir qu'on n'arrive pas à faire le jeu?
Je vais te dire oui et non. Oui, ouais. Parce que c'est pas normal de passer autant à côté. Il y a quand même des cadres qui ont déçu. Bruce a parlé d'un point de vue technique. C'est vrai qu'on se rend compte que quand il n'y a pas Griezmann, on n'a pas ce profil créatif, ce mec capable de faire des différences. Un peu déçu du match de Mbappé, mais après, ils sont à peu près tous passés à côté. Tu vois, même dégager un meilleur joueur côté bleu, c'est très compliqué. C'est très dur. Samba n'a pas été ouf, mais finalement, sur la seconde période, il a fait les arrêts qu'il fallait. Les remplaçants n'ont pas été dingues. Je me dis que ce match amical de mars, et même peut-être celui contre le Chili, il y a beaucoup de joueurs qui ont des échéances en club. Ils pensent peut-être pas encore à l'Euro, ils pensent surtout à pas se blesser, à se préserver. Mais c'est quand même regrettable parce que ouais, on a vu que l'Allemagne, elle, avait vraiment bossé son truc. Les plans de jeu, les entames des demi-temps, techniquement, c'était très propre. Il y avait beaucoup de choses intelligentes, la façon dont Kimmich a géré Mbappé, la manière dont aussi le milieu avec Kroos, Gundogan et Endrich en 6. Franchement, c'était Nagelsmann a fait du Nagelsmann et honnêtement, au niveau du tableau noir, c'était super, super intéressant. Après, on a l'habitude aussi que l'équipe de France ne soit pas à 100% justement... avant ces tournois, on sait que Deschamps, lui, c'est vraiment son moment, c'est la compétition. Ouais. Il va réunir tout le monde, il va désigner les groupes pour Mario Kart et pour le tournoi de tennis de table. Et là, la COVID vacances, elle va démarrer, t'inquiète pas que ça va aller au bout. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Souviens-toi, avant 2018, on perd contre la Colombie. Avant la Coupe du Monde au Qatar, on fait une Ligue des Nations qui est vraiment pas ouf. Donc, justement, je pense que ça devait servir à faire des réglages. Mais là, on se rend compte que finalement, la marge de manœuvre, elle est pas... incroyable, et on vous rend compte justement que quand il n'y a pas Griezmann, quand il n'y a pas aussi Théo Hernandez qui apporte, qui impulse quelque chose, peut-être aussi, j'aime bien Samba, mais quand même Maignan, c'est une dimension au-dessus, ça peut servir. Donc franchement, le match m'a pas plu, parce que c'était assez ennuyeux, c'était assez inquiétant de voir, comme je te dis, des cadres passer à côté, mais on a l'habitude avec Deschamps aussi d'avoir ce genre de proposition en mars avant des grands tournois. Ouais, alors Youss, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand la compétition arrive, en général, Deschamps, comme l'a dit Vivian, c'est un homme de tournoi. On sait qu'il va gérer, qu'il va réussir à trouver des solutions. Le truc, c'est que c'est vrai qu'en compétition, on l'a vu sur les dernières, très souvent, on s'en sort parce qu'il est capable justement d'insuffler cet état d'esprit qui fait que parfois, des individualités se mettent en avant et prennent leurs responsabilités. Et du coup, tu vas gagner des matchs comme ça et quelque part, tu t'en sors. Maintenant, là, même question, est-ce que tu penses que sans le jeu, après, on va pas demander à Deschamps de se réinventer parce qu'on sait très bien que de toute façon, il va pas nous sortir du Guardiola de son chapeau du jour au lendemain. Mais est-ce que sans le jeu, ça peut vraiment le faire avec ce qu'on a vu là? Je pense que, en vrai, on découvre rien là, ce qu'on a vu. On l'a déjà vu, comme il en parlait, Scipion, en 2018, je me rappelle, ce match contre la Colombie où tu perds 3-2, je crois, au Stade de France. C'était la répétition générale ou la Ligue des Nations juste avant la Coupe du Monde 2022. Donc en soi, je crois même que Deschamps a besoin de ce genre de passage à vide, de petites périodes de moins bien, même avant ça. Ah. Il y avait aussi la Ligue des Nations précédente. Il y a celle que tu gagnes avec Benzema, mais il y a celle d'avant où t'es pas loin de la cata, tu perds aux Pays-Bas notamment. Il, pour sa construction personnelle en tant que coach, en tant que construction de groupe, je pense que Deschamps a besoin aussi de ces moments de trou dans cette équipe de France qui lui permettent aussi de voir qui sont les forces en présence. Là, clairement, on est en mars et Scipion et Bruce en parlaient, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à jouer. Là, sur les 23, je pense qu'il y en a 18 qui savent qu'ils vont aller à la Coupe du Monde. Qui joue sa place là sur ce groupe? Personne. Il y a des joueurs qui pensent au club et d'une certaine manière... Ouais, parmi ceux qui ont joué, vu qu'il y avait quelques absents, il y en a qui avaient un coup à jouer justement, pour marquer quelques points. Ouais, mais au final, des remplaçants, tu vois, Guendouzi, enfin... Excuse-moi, mais je pense que la liste a raison, à part peut-être le dernier milieu de terrain, Guendouzi, Veretout. Sauf blessure, oui, on connaît. Moussa Diaby, à voir si comment revient. Sinon, en défense, on les connaît à peu près tous. Franchement, il n'y a pas trop de suspects. On a la liste. Et pour Deschamps même, ça lui permet de voir, comme on parlait de Giroud, peut-être que Giroud, il est important que Griezmann, je pense qu'il est essentiel à cette équipe. En tout cas, avec Mbappé a besoin d'un Griezmann et Griezmann a besoin d'un Mbappé. Et d'un Théo aussi sur le côté, je pense que quand ça dédouble, il a manqué Mbappé, là, tu le voyais. Il y a aussi ce fait-là d'avoir eu ses absents à ce moment-là, te permet aussi de valider qui sont aussi les cadres et quelles sont tes forces en présence. Et quand les rideaux vont s'ouvrir, que ça va être la Coupe du Monde, tu vois, que c'est la bonne lumière, Deschamps, il sera là et l'équipe de France sera là. Je pense qu'il ne faut pas se faire de soucis. Vas-y. Non, c'était juste, moi, par contre, et j'en parlais en live la dernière fois. Alors oui, on a un vivier de joueurs incroyables, mais entre guillemets, le futur Giroud et Griezmann de l'équipe de France, je ne les vois pas. Pas pour le moment. Et ça, par contre, ça m'inquiète parce que quand tu vois l'importance qu'ils ont et sur un match comme ça... Ça peut être des joueurs cruciaux dans une équipe et qui te changent une équipe. C'est la seule inquiétude que j'ai à l'avenir, tu vois. Alors, on verra avec d'autres joueurs et tout, mais pour le moment, c'est des joueurs qui sont tellement déterminants. Comme je disais, Giroud, on a toujours voulu le mettre sur le banc, ce que tu veux, mais on se rend compte, Thuram,
Bien sûr qu'il va pouvoir faire des choses, mais il est plus habitué dans une attaque à deux, par exemple, avec Lautaro à l'Inter, etc. C'est un autre système. Pour moi, Giroud, aujourd'hui, la question, elle se pose même pas. Mmh. Mais pour l'après-Giroud, est-ce qu'on va retrouver un Giroud pour 10 ans ? Pour le moment, je suis pas sûr. Tu vois, Colomwani, bon, c'est tous des joueurs qui peuvent jouer un peu côté, un peu neuf, tu vois, mais t'as pas ton Giroud. Et Griezmann, le mec qui fait le jeu et qui fait autant de choses au milieu de terrain, on l'a pas non plus pour le moment. Donc, c'est ma petite crainte. Par contre, pour moi, ça pointe un peu ça du doigt. Ouais. J'espère que, bon, on trouvera des solutions parce que. Ça va peut-être nous faire mal, ces deux-là. T'as les ingrédients si tout le monde est là, en gros. C'est ça, quoi. Ouais, mais eux deux, bientôt, ils sont plus là. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je vois ce que tu veux dire, Bruce, mais après, c'est aussi une histoire de cycle. Enfin, je veux dire, quand tu prends Giroud, quand tu prends Griezmann, tu sais que c'est des joueurs qui appartiennent à une certaine ère de l'équipe de France, une certaine ère dans laquelle Deschamps avait ses principes, avait ses habitudes. Et forcément, dans ce système-là, oui, ils sont super importants. Maintenant, si tu passes avec un nouveau sélectionneur, si tu passes avec de nouveaux joueurs qui vont un petit peu renouveler cet effectif, bah, quelque part... Ce ne sera pas le même style. Donc forcément, tu vas avoir de nouveaux joueurs qui vont peut-être émerger. Peu importe et donc... le style, tu as besoin de ton Griezmann, pour moi, et d'un Giroud. Hein. Mais est-ce que tu pourras faire du Griezmann et du Giroud éternellement ? C'est ça, moi, ma question. Non, c'est que tu vas devoir te renouveler. Mais c'est là ma crainte. Dans certaines sélections, tu vois l'après ou des jeunes qui arrivent. Tu peux t'imaginer, là, pour le moment, je ne les vois pas. Ces mecs-là. Et ça peut être peut-être un truc qu'on va traîner quelques années dans la transition entre les deux générations, peut-être, ou ça va peut-être nous faire un peu mal au final. Il y en a certains qui parlent d'Nkunku. Nkunku, toujours blessé, malheureusement. Ouais, déjà, toujours mais blessé. Genre, pour être entre guillemets le nouveau Griezmann, mais moi, personnellement, enfin, Nkunku, c'est un autre type de joueur que Griezmann. C'est pas du tout la même chose. C'est un joueur qui est. Qui, déjà, je pense, évolue un peu plus haut, parfois a tendance à un peu jouer sur le côté et a peut-être un profil un peu plus percutant. Je ne parle pas d'un Coman, mais en tout cas, Nkunku, je ne le vois pas comme un Griezmann. Quoi. Donc, c'est quand même assez différent. Pipion, je voulais aussi qu'on parle un thème que Youss a abordé. C'est ce côté, les joueurs sont un peu trop dans le confort. Comme l'a dit Youss, on sait qu'il y en a plein qui savent qu'ils seront à la Coupe du Monde. Limite, il n'y a pas de débat. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un problème, finalement, d'avoir des joueurs qui sont tranquilles, qu'on ne remet pas en question ? Et quelque part, est-ce qu'on ne va pas perdre un petit peu en leadership ? Parce que finalement, si tu sais que tu as ta place et que tu es tranquille, les mecs, le leadership, en fait, il descend un petit peu parce qu'il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus ce truc-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Non, je pense qu'il veut s'appuyer sur forcément son ossature de la dernière Coupe du Monde, sur les gars qui l'ont porté. Tchouaméni, Rabiot au milieu de terrain. On a Upamecano en défense centrale, même si au Bayern, ce n'est pas... le temps régulier, il compte énormément sur lui. Mmh. On a Koundé qui enchaîne à droite comme avec le Barça. Donc même Dembélé, tu vois, qui continue alors qu'on sait que c'est un petit peu fluctuant. C'est sûr que c'est un petit peu problématique. Mais je trouvais le débat du Vivier intéressant, justement, le fait que, bon, on a amené quand même Zaïre Emery assez tôt en équipe de France, peut-être trop tôt, parce que je pense que moi, après c'est mon opinion, mais je pense que dans sa construction personnelle, il aurait d'abord dû faire une année en espoir avec Thierry Henry, les JO, puis après l'année A. Tu penses que c'est trop tôt pour Zaïre Emery ? Mais en même temps, c'est trop tôt et non, parce que quand tu vois le Vivier au milieu de terrain, il a sa place, objectivement, je trouve qu'il mérite. Mais par rapport à lui, le fait de, tu vois, d'être le leader des espoirs, le capitaine d'une équipe de France aux JO, je trouvais ça intéressant pour, de son côté. Mais c'est vrai qu'on manque peut-être, par rapport à Giroud et Griezmann, de toute façon, Griezmann... l'évolution du joueur en tant que tel, elle est impossible à lire. Tu vois, en 2014, ce gars-là était ailier. Tu ne pouvais pas deviner qu'il serait à la fois ton 6, ton 8, ton 10 qui remplisse toutes les fonctions. Donc ce joueur-là, il sera très compliqué à trouver. Après, moi, j'en ai deux, justement, pour être le futur neuf de l'équipe de France et ce futur Griezmann que j'identifie comme tel. Je ne sais pas s'ils le feront. Ouais. Justement, c'est Mathys Tel, parce que je trouve que c'est lui qui, en termes de neuf, par rapport à ce qu'il monte sur quelques minutes au Bayern, il a cette capacité. Et après, par rapport à ce qu'il est en train de faire cette saison avec le Stade Rennais, moi, je pense que Désiré Doué peut avoir un avenir. Ouais, lui, pas maintenant. Lui, on a vu truc, ton tweet sur lui. Non, c'est avec lui, il est spécial. On rappelle son match en double pivot au Parc des Princes. Il y a quand même, tu te dis, ce gamin, il sait, c'est un demi-cinq, il sait défendre, il sait jouer dans ce rôle-là. Donc peut-être, mais évidemment, c'est une projection à longue durée. Ouais, je ne dis pas qu'il faut les prendre maintenant. C'est pas pendant 3 mois. Hein, c'est pas dans 3 mois, me faites pas dire que voilà. J'ai pas dit Désiré Doué à la place de Griezmann. Désiré Doué à l'Euro, tu sais. Désiré Doué, ouais, on s'enflamme pas autant. Mais, t'as pas ton Musiala et Wirtz où tu sais, t'es tranquille pendant longtemps, quoi. Où on sait qu'au top niveau, ces mecs-là, ils font déjà pas que des meilleurs, tu vois. Ça peut aller très très vite, mais c'est vrai que quand tu vois la différence de facilité de Musiala et Wirtz par rapport à des joueurs qui était un peu installé en équipe de France. Oui, c'est sûr que quand tu as cette espèce d'habitude de sénateur, peut-être que ta place n'est pas remise en question. Je pense que cette trêve de mars, ça ne va pas servir beaucoup d'enseignement à Deschamps, à part peut-être la hiérarchie, la liste. Je pense qu'il la connaît à quasiment 95%. Ouais. C'est peut-être,
Koundé ou Klos, Pavard ou Konaté, ouais. Tu vois ce genre de... Il y a peut-être même Lucas Hernandez qui, je pense, aura peut-être il sera dans l'équation, moi, dans l'axe. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Je pense qu'il sera pas loin. C'est pas mal bouché dans l'axe, hein, avec Upamecano. Ouais, mais je pense, vu la forme, peut-être, etc., il va se poser peut-être la question. Ouais. J'y partirai sûrement sur l'Upamecano Konaté, parce que, voilà, on avait vu ce que ça avait donné, mais je pense que Lucas Hernandez peut le faire hésiter un peu. Ouais, hein. il peut avoir sa carte à jouer. Alors, justement, on s'est amusé avec Poineau à faire le 11 probable, le 11 type de Didier Deschamps, à l'Euro, en tout cas, on s'est projeté un petit peu. Justement, Youss, t'en parlais, on va se le regarder. Est-ce que tu penses que là, on a le 11 et qu'on ne peut pas faire mieux, finalement, selon toi. Après, oui, tu as toujours des gens qui vont vouloir leur chouchou. Si tu raisonnes en termes d'individualité, il y a lui qui fait une bonne saison, pourrait mettre X, etc. Tu vois, Zaïre Emery est un des meilleurs Parisiens. Donc, pour certains, ça pouvait être logique de le voir titulaire en équipe de France. Ouais. Mais je pense que c'est surtout en termes de complémentarité de profil que ça paraît être la meilleure équipe possible, avec évidemment Griezmann qui est ultra important, même pour Mbappé. Mbappé a besoin d'un Giroud. On sait que c'est ce profil. C'est avec ce profil-là qu'il est le meilleur en équipe de France à chaque grande compétition internationale. C'est quand les deux, quand t'as Giroud qui sort le bleu de chauffe et Mbappé sort le costard après, tu vois qu'il y a une complémentarité entre les deux. Griezmann est important. Donc, en termes de profil et en termes de certitude et de leader et tout ce que tu veux, oui, pour moi, c'est le meilleur 11 possible. Ouais, ok. À quelques peut-être des exceptions, vous allez me dire non, on veut Saliba, voilà. Pipion. Non, moi, la doublette derrière m'a convaincu à Coupe du Monde. Je leur fais encore confiance. C'était moi, j'avais bien aimé aussi. Super complémentaire, ça y allait. Si Coman revient, je préfère Coman à Dembélé côté droit. Ouais. Même s'il n'a pas une histoire incroyable avec l'équipe de France, je trouve que, je sais pas, je préfère le profil de Coman. Il y a peut-être un peu plus de garantie avec Coman, j'ai l'impression. Dembélé, le problème, c'est que sur c'est les matchs. Hein ouais. Ah, ça, c'est sûr. Bah oui, parce que c'est vrai que Dembélé, en fait, quand tu le vois jouer, t'es très souvent, il y a du déchet, il y a des pertes de balles. On sait très bien de quoi il est capable. Mais parfois, il y a des ballons qui sont donnés. Enfin, tu te demandes comment un mec de ce talent-là peut les rater, des contrôles, des moments d'absence. Et c'est vrai que Coman, oui, il apporte ce truc où tu te dis, lui, tu sais à quoi même la qualité de centre et tout. Coman, je suis désolé, moi pour moi, c'est dans les derniers matchs, il est plus fort, c'est plus juste, il y a plus de justesse. Ouais, c'est ça, c'est les garanties quoi. Bruce, t'es un peu d'accord avec Youss et Pipion, toi? Ouais, pareil, moi je mettrais Coman personnellement. Bon, on verra dans quel état il sera et tout, mais s'il est bien, moi je mets Coman tous les jours. Et après, sur le reste, le milieu de terrain, ça sera ça. Enfin, le reste de l'équipe, ça semble être ça. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Ouais, ouais. On est d'accord là-dessus. Alors, pour terminer sur ce débat France-Allemagne, messieurs, comme d'habitude, top et flop, mais là, j'ai plus l'impression qu'on va partir sur des flops. Qui, pour vous, est le plus passé à côté sur ces matchs, Pipion? Je me tourne vers toi. Quels sont les joueurs, toi, qui t'ont vraiment, vraiment déçu dans le 11, même si on sait très bien qu'ils ont tous été plutôt décevants, hein. Non, après, le problème, c'est que Pavard et Thuram, ils font une super saison à l'Inter, mais... Pavard, c'est dans une défense à 3 et Thuram, c'est dans une attaque à 2. Donc tu vois, j'ai pas envie de les fracasser. Ouais. C'est pas les mêmes dispositions que l'Inter d'Inzaghi où ils sont quand même à l'aise. Ouais. Évidemment, on a vu que Thuram est passé à côté du rendez-vous contre l'Atletico, mais sinon globalement, c'est quand même un mec qui est arrivé libre et qui fait une vraie bonne saison à l'Inter. Donc on va pas l'enterrer. Après, c'est vrai que Mbappé, son match, j'ai pas été très très fan. Voilà. Mais pourquoi non. T'entends quand tu dis Mbappé, mais t'entends, non, ça part direct. Quand parler d'Mbappé, pourquoi j'ai besoin de me regarder? Parce que tu te manifestes tout seul, en fait. À la fin de la première période, il était un peu mieux, mais sinon, globalement, c'est le capitaine des Bleus, c'est le joueur qui a des références et tout. On attend beaucoup plus. C'est le genre de match où, normalement, contre un gros adversaire, il doit répondre présent. Ouais. Il a pas su, tu vois, justement, porter ce leadership ou même, tu vois, juste en faire. Qu'il avait le brassard aussi. Ouais, non, mais une attitude, genre, engueuler les mecs, genre, oh, on est à la maison, les potes. C'est bien de le donner à Grisou. On passe totalement à côté. Normalement, on va pas se mentir, le vrai capitaine c'est de Grisou. Cette équipe, le mec naturel dans l'âme, celui qui impulse le truc, c'est Griezmann. Après, Mbappé, pour le symbole, a récupéré le brassard. C'est pour câliner, c'est comme le non, mais voilà. Ouais, mais bon, c'est ça de la politique. Didier, on peut me dire ce qu'on veut, ce qu'il a fait à Grisou, avec l'âge, le vécu. Heureusement que c'est Grisou, quoi. Griezmann, c'est lui qui devait prendre le brassard. Bon, on sait tous que ça aurait fait plus d'histoire si tu le donnais pas à Mbappé plutôt que Griezmann. Mais Griezmann, tout le monde sait que ça aurait dû être lui. Et là, honnêtement, ça fait partie de la gestion de Deschamps où des fois j'ai pas trop compris, comme avec Giroud quand il l'appelait plus du jour au lendemain, après il le reprend, il a fait un coup de crasse. Là, pour moi, Griezmann, ça a été un manque de respect de pas lui donner le brassard. Arrête-toi Bruce, parce que j'ai toujours espoir qu'on reçoive Didier Deschamps un jour dans l'émission. Et alors on peut dire les choses, non? C'est quoi, faut licher la pop parce que faut faire la calinothérapie. Ah non, Bruce, Griezmann devait avoir le brassard, c'est un fait. Tu veux quoi? Faut arrêter de faire le liche pomme, je sais pas. Il est en train de tuer tout mon travail que je fais depuis maintenant un an. Juste pour oui, non, vas-y. C'est vrai qu'on a commencé à dire, mais Zaïre Emery était un peu dépassé par l'événement, mais pas. Après, lui, c'est dur de lui tomber dessus. Vraiment, en vrai, dans ce genre de match,
tu vois, il y a des gens qui doivent l'aider. Je crois qu'il y avait pas aussi beaucoup de communication et tout. Et forcément, quand tu as un tel milieu de terrain en face, et après, bah moi, mon top, ouais, c'est le retour de Toni Kroos, quoi. Ah bah Toni Kroos, le daron qui fait son comeback à 3 mois de l'Euro. Je vais faire, frère. 3 secondes de jeu, le mec te lâche déjà une passe de quarterback. Il est en voie Wirtz et tout après les matchs de Wirtz. Travailler, bien sûr. Le match de Kimmich face à Mbappé, non, c'est vrai que côté allemand, même Nagelsmann, globalement, beaucoup de satisfaction. Rudiger aussi, c'est... Ouais, là, ils ont vraiment bien préparé leur truc. Et, Nagelsmann qui a redonné vraiment un visage à cette équipe. Hein, alors, parce qu'on rappelle que l'Allemagne, c'était chaud. Il n'était pas sur une série incroyable, mais ce match-là, clairement, peut servir de déclic. C'est une certitude. Pour moi, c'est un match référence pour commencer à taffer pour la suite. Bruce, du coup, flop de cette rencontre côté équipe de France, et pourquoi Mbappé? Moi, j'ai rien dit, j'allais même pas te dire, mais vu que tu me lances dessus, on peut y aller, mais j'allais pas en parler. Non, tranquille. Mais non, mais il n'y a pas grand-chose à en tirer de manière générale de l'équipe de France. Après, là, Mbappé, il était orphelin de Théo Hernandez, t'as pas Griezmann, on le disait, qui c'est lui distille aussi les bons ballons, etc. Il n'y avait pas Giroud aussi, donc ça fait beaucoup d'habitudes que t'as pas, en fait, pour combiner et tout. C'est des trucs, les mecs, ils se connaissent par cœur. Donc, il y a des circonstances atténuantes pour moi, pour Mbappé, mais après, il doit faire mieux. Je veux dire, il y a des fois, techniquement, etc. Bon, tu n'en attends beaucoup plus de... Son match, il n'est pas bon. De Mbappé, voilà. Donc, il fait pas un bon match. Et à l'image de l'équipe de France qui était dans la sauce une bonne partie du match tout court, qui était bouffée à tous les niveaux. Donc, c'est des matchs bourbiers pour tout le monde parce que tu es dépassé, en fait. Tu es sur le terrain, tu cours après la balle, tu ne la touches pas, tu vois que, bon, bah, c'est un match sans et en face, c'est trop fort sur ce match et tout. Donc... Okay. C'est pour ça que je ne vais pas lui tomber dessus spécialement, c'est un ensemble. Hein. Pas de problème, non, c'est noté. Yous, on finit avec toi du coup. Pour pas dire Mbappé comme tout le monde. Ouais, Tchouameni, ça revient dans le chat, ouais, je suis d'accord. C'est déçu. Quitte à citer un milieu, moi je trouve que Zaïre Emery, bah, tu vois, on voyait la compo probable pour l'Euro. On parlait de Coupe du Monde tout à l'heure, c'est bien l'Euro. Numériquement, il remplace Griezmann. Quel moment, donc c'est pas lui qui va forcément apporter cette caution de leader technique, de meneur de jeu reculé. Donc, il y a aussi ça. Tu vois, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est un petit peu jeune pour le lancer là. Donc, tu vois, j'ai pas envie de trop lui tomber dessus, mais au milieu, quitte à en citer un, j'ai été déçu par Tchouaméni. Ok. Moi, j'ai juste un top, mais c'est pas vraiment un top. C'est le joueur que j'ai trouvé le moins pire sur ce match. Je sais pas si vous serez d'accord, c'est Upa Mécano. Moi, j'ai trouvé que lui, pour le coup, il était concerné, il avait la bonne attitude sur ce match-là, même si, comme tous les autres, il a pas fait un match énorme ou exceptionnel. Mais c'est le seul que j'ai trouvé vraiment, pas forcément au niveau, mais en tout cas, pas dégueulasse non plus, quoi. Donc, je voulais quand même le citer, parce que je l'aime beaucoup. Messieurs, on passe du coup à la suite dans cette émission. Et on va passer à une nouvelle séquence qu'on a mis en place avec Lino 13, à qui on fait une petite dédicace. C'est l'instant caméra. Complètement, exactement. C'est l'instant caméra que tu apprécies beaucoup, Bruce. Bien sûr. Ça s'appelle le pire du pire. Alors, en gros, vous le savez, dans le foot, hein, je pense que même vous qui nous regardez, c'est pareil. Hein, on garde tous des moments un peu comme ça où on reste marqué parce que le foot, c'est beaucoup d'émotions. Quand tu supportes beaucoup de clubs. Surtout quand tu supportes beaucoup de clubs. les bonnes émotions comme les pires. Et surtout parce que, on aime bien se faire du mal. On va justement lancer cette séquence et on va mettre un thème en avant. Du coup, c'est le thème équipe de France. On va rester un petit peu dedans. On va revoir un petit peu, remonter le temps et essayer de mettre en avant la pire sélection, le pire maillot, la pire défaite, pire humiliation. Voilà, on va essayer de passer tout ça au crible. Chacun s'est vu assigner un thème, du coup, sur cette séquence-là. Et on va commencer avec Pipion. Et Pipion, il me semble que toi, c'est le thème du maillot, c'est ça. Donc là, on est sur l'équipe de France. Quel est pour toi le pire maillot que tu as vu de l'équipe de France? Alors honnêtement, j'ai cherché pendant toute l'histoire de l'équipe de France et je trouve qu'on est quand même plutôt bien loti. Ouais, c'est vrai. En général, c'est vrai. Franchement, pas mal, les c'est compliqué. Là, c'est juste moi ce que je ressens parce que franchement, maillot bleu, maillot blanc, c'est difficile de rater un maillot de l'équipe de France. Il y a des couleurs assez simples, donc j'en ai sélectionné deux. Et Pipion, t'as juste regardé l'esthétisme ou alors genre la compétition, ça s'est mal passé, ça peut avoir une influence. Ça peut avoir une incidence sur la période. Okay. Ça peut parce que ça rappelle forcément des bons souvenirs. Et moi, pour moi, un maillot, c'est pas juste comme tu l'as dit du textile. C'est aussi l'histoire, ce qui renvoie à cette période. Et un maillot, moi, j'en ai sélectionné deux. Ah ouais. Maillot rouge pour l'équipe de France. Il est dégueulasse, le rouge. C'est pas notre couleur, quoi. On n'est pas la Roja. Ça le fait pas. Et surtout, vu les joueurs de l'époque, on n'était vraiment pas la Roja. Crois-moi que là, ça, c'est sûr que c'était pas ça. Je crois que le meilleur joueur qui a porté ce maillot, c'était Bafé Gomis quand il met un doublé contre l'Équateur. Oui, le héros. Donc il n'y avait pas Philou avec celui-là, mais que ça, c'est tout. Il l'a pas porté.
Je pense qu'il a porté, mais pour moi, le maillot que j'associe à Mexès avec Ramis, c'était la marinière. Ouais, la marinière, c'est le pire maillot pour moi de l'histoire. Hein, moi, l'équipe de France. Non, ça me dérange. J'ai détesté ce maillot, les gars. Moi, pour moi, c'était osé, mais ça me dérange pas, tu vois. Ah, maillot tout l'allant, il l'a peut-être porté sur le bah, tout l'allant, ouais, ça, c'est bien un maillot tout l'allant. Il parlait bien de tout l'allant, c'était un crack. Mais après, évidemment, si je dois choisir un maillot domicile. Voilà, c'est celui-ci, déjà parce qu'il n'est pas dingo. Ouais, l'effet griffe super-héros qu'il voulait mettre en avant. C'est genre on a tenté un truc, quoi. On a tenté un truc, et c'était vraiment pas ouf. Puis c'est même pas symétrique, le logo avec le, voilà, la marque. Là, moi, ça, j'aime pas. C'était fait à l'arrache, comme le 11 de Domenech à cette époque. Et en plus, bah, franchement, c'est le maillot de l'équipe de France à Nice-Na, quoi. Et c'est surtout le maillot de Nicolas Anelka. Enfin, je sais pas, moi, je vois Anelka quand je vois ce maillot, tu vois, avec ce qui s'est passé en plus. Moi, je vois Djibril Cissé, c'est aussi. Le même qui souffle. J'allais dire si c'est pareil. Je suis fatigué. C'est Djibril, ouais. Je suis fatigué. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et pour anecdote, ouais. J'avais acheté ce maillot à l'époque. C'est vrai ? Mais après la Coupe du Monde. D'accord. Là, j'avais jamais vu une promo comme ça. Ouais. C'est, je pense pas, personne ne voulait ce maillot. J'étais allé à Intersport, j'ai trouvé là-dessus un maillot officiel qui était à 15 euros. Ouais. J'ai jamais vu ça en août 2000. Alors que le truc, il coûte 90 balles en général. D'habitude, ouais, c'est ça. Et le mec m'a dit, oh, vas-y, du coup, j'en ai pris un. Okay. Et en plus, il se serrait de ouf et tout. Donc, vraiment, pas non plus un grand souvenir. Ouais. Mais voilà, c'est les deux maillots que je ressors. Ok. Non, bah, franchement, très bon choix pour Pipion. Bruce, toi, c'est la pire défaite. Alors, pire défaite, ouais. Slash pire humiliation. C'est quoi le match que t'as choisi ? Non, je vais pas faire très original. J'ai pensé à deux matchs surtout. Il y en avait, hein. Il y avait du choix. Oui, mais il y avait. Je parle de mon vécu machin. Il y avait la finale de l'Euro, bien sûr, parce que contre le Portugal avec Eder, tu vois, j'ai pensé fort à celui-là parce que voilà, t'es chez toi, il y a un match. C'est un match que tu dois prendre parce que t'es au-dessus, t'as les Ocas, Gignac, etc. Mais c'est surtout, on va dire, 2006 avec Zidane, quoi. Ouais, le France-Italie. Voilà, c'est cette photo. C'est cette photo où Zidane, c'était sa dernière danse. Il te fait une Coupe du Monde de taré. Tu te dis, il va finir en apothéose. On va être champion du monde. Il va partir sur un ballon d'or, etc. Et cette photo, quoi. Zidane qui sort, il prend le rouge. On se fait niquer au péno. Et là, tu t'imagines avec Zidane, même si c'était quoi, il sort à la combien, hein. Il doit rester 10-15 minutes 112e, derrière. 112e, je crois. Ouais, ouais, il reste 10 minutes. T'as une dizaine de minutes. Tu te dis, on sait jamais, tu vois. Parce que tu sentais si ça pouvait pencher peut-être d'un côté un tout petit peu, même si je pense que ça serait quand même allé au péno. Mais pareil, Zidane, il aurait tiré son péno, etc. Tu vois, ça aurait pu changer la donne. Donc voilà, on va dire qu'il aurait pu finir en beauté avec l'équipe de France. Et donc, bah forcément, ce truc contre l'Italie, quoi, avec Materazzi, toute l'histoire autour, c'est forcément, je pense, ça a choqué tout le monde. Hein. Moi, en fait, j'ai pensé à ça et l'Euro, direct. Ça laisse un goût très amer, ce match. Ouais, hein, vraiment, c'est un truc qu'on s'en souviendra toute notre vie. Et ça fait partie de l'histoire du foot. C'est Zidane, vrai. Son coup c'est de vrai. Tête, la finale, c'est un truc c'est un des moments les plus marquants de l'histoire du foot. Pour tout le monde, tu vois, c'est un truc universel maintenant, c'est un truc de fou, quoi. Il y a, beaucoup de matchs qui sont cités aussi, bien sûr. Il y a le match contre le Sénégal en 2002, ça, c'est sûr que c'était assez terrible. Il y en a qui citent, après il y en a qui sont peut-être un peu plus jeunes et qui remontent pas aussi loin. Il y en a qui repensent à la Suisse, il y en a qui repensent aussi au match, attends excuse-moi, je l'ai vu, il était sous mes yeux, je l'ai plus. Il y a un truc qui a un an et demi aussi. C'est passé très vite. Non, la finale contre l'Argentine, je suis désolé, le chat, mais je veux dire, oui, il y en a dans l'histoire. Moi, comme j'expliquais, tu vois, contre le Portugal, pour moi, on doit gagner. On sait, nous, qu'avons les occasions, etc. Contre l'Italie, c'est chaud, mais t'as le sentiment que ça peut basculer. Tu sais, même s'il se passe pas 10 000 trucs, ça peut basculer. C'est un peu plus pour nous. Ouais. Mais pour moi, je le dis, je le redis, contre l'Argentine, pendant 80 minutes, on est absent. Donc, pour moi, dans l'ensemble, c'est pas un match qu'on est censé prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense plus aux autres matchs où, pour moi, il y a plus de regrets encore. Okay. Alors que tous nos darons vont citer le France RFA 4-3 de semi, quoi. Là, c'est vraiment Schumacher, ils en parlent comme si c'était honteux, le pire des criminels. Ah ouais. Et après, non, je pense que le France-Bulgarie 93. Bah, le Kostadinov, celui-là. Il m'est plus revenu que le France RFA. Franchement, pas faire une Coupe du Monde alors que t'as Papin, t'as Cantona, t'as Ginola, je pense qu'à l'époque, ça les a bien marqués. Tout, ah oui, non, mais ça, c'était un cataclysme pour l'équipe de France. Alors, Youss, toi, on t'en a mis un qui est peut-être un peu plus dur. La pire sélection, mais t'en as sorti une quand même. Non, c'était pas dur. Bah, il y en a une à trouver. Bah, oui. Non, mais après, je veux dire, faut quand même regarder. On parle de toute l'histoire de l'équipe de France. Donc. Non, bah, après, oui, après c'est fou. Non, j'ai peut-être que la régie va sortir quelque chose, sinon je vais continuer à parler. Ouais, plus globalement, et pour revenir, c'est vrai que je voulais en parler. Après, c'est vrai qu'il y a la rubrique du maillot. Déjà, tu annonces la couleur avec ce maillot qui est immonde. Et au-delà de ce qui s'est passé à Nice-Na, c'est aussi. Alors,
Lolito, je ressemble pas à McFly. Je sais pas ce que tu racontes. Quel McFly? Ah ouais, McFly, de McFly et Carlito. Ouais, bah ah ouais, écoute, d'accord. Non, désolé, frérot. Okay. Donc ouais, non, plus globalement, au-delà de Nysna, moi je trouve que c'est, en fait, c'est tout ce qui s'est passé en 2010 qui, enfin, dès la, enfin, c'était dès pas l'époque. En 2010, mais voilà, c'est cette période-là où t'as la qualification qui se fait pour ceux qui s'en rappellent avec la main de Thierry Henry. On aurait pas dû y aller, quoi. Ça aurait été un mal. Voilà, ce maillot qui annonce la couleur, la prépa qui était horrible. On parlait de prépa horrible. Tu perds contre la Chine juste avant la Coupe du Monde 2010. Ou si c'est s'éclate le tibia, hein, c'est ça, hein, ouais, il me semble. Ouais. C'était pas contre la 2006. Chine. Non, c'est 2006. Ah, c'est en 2006. Parce que du coup, il y est avec le fameux. Il est en 2006. Ah, ok, ouais, c'est vrai. On le voit pas là, mais non, mais ouais. Mais donc il y a tout ce contexte qui s'est passé autour de l'équipe de France et puis Nysna pour ce voilà on peut en parler des heures de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Il y a pas eu que le but, c'est aussi sur le terrain que c'était catastrophique avec la défaite contre le Mexique, Chicharito qui se révèle au monde entier à ce moment-là. Et puis autre point important, j'ai fait une petite recherche avant l'émission, c'est que c'est durant cette année que tu atteins ton pire classement FIFA de l'histoire, à savoir 27e. Et je crois que c'est en septembre ou octobre 2010 que tu es 27e du classement FIFA, qui est ton pire classement. Donc voilà, pire équipe, pire classement FIFA, je pense que ça a de la logique. Et pourtant, tu vois, quand tu regardes certaines têtes, bah, tu avais des beaux noms, tu avais des joueurs qui étaient confirmés dans certains grands clubs, mais voilà. Ok, non, bah c'est bien trouvé finalement. Pire équipe de l'équipe de France. Voilà, on parlait aussi de 2012. J'en parlais avec des potes avant de faire la chronique. 2012 c'était cité par certains parce que ouais, l'Euro. Après, il y avait moins d'attentes à l'Euro parce que tu sortais de cette catastrophe en 2010. Il entame la reconstruction. Ouais. Et en plus, avant l'Euro, t'as le Grec qui dit l'objectif c'est quart de finale. Et au final, tu fais quart de finale. Bon, tu te fais humilier. Mais, tu vois pas le jour. Mais t'as fait quart de finale. Donc, cette période-là, vraiment de post 2006 où t'as l'Euro 2008. Avec ce maillot immonde et où tu fais 0-0 contre la Roumanie. C'était une période horrible. Tu as cette Coupe du Monde 2010 et puis 2012 qui se passe pas mal. C'était une période compliquée. Ouais. Eh bien, moi, c'est la pire déclat. Du coup, pire déclat, là aussi, il y en a eu. J'ai pensé forcément à la. Quoi, une déclaration, t'as dit ? Déclaration, ouais. Pire déclat, alors d'un joueur, d'un sélectionneur ou même pourquoi pas d'un journaliste. Moi, je sais pas. Non, mais tu vas voir, hein, ça va être très très simple. J'aurais pu parler de Ribéry, hein, qui était arrivé en claquette chaussette à Téléfoot. On aurait pu la remettre, celle-là, parce que celle-là, elle est quand même assez exceptionnel, mais pour moi la pire des pires, et tu m'as fait un peu une passe-dé, c'était à l'Euro 2008, de Raymond Domenech, c'est une dinguerie, parce que en fait moi ce qui me tue c'est que l'Euro 2008, j'ai l'impression qu'on a tendance quand même à pas mal l'oublier, cette compétition là alors que je trouve que on a été cataclysmique à l'Euro 2008, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné un match de poule, on a fait ce fameux 0-0 contre la Roumanie pour commencer, derrière on se prend un 4-1, une fessée mais monumentale contre les Pays-Bas. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, moi je l'ai fait tout à l'heure, il faut aller revoir les buts, ils sont tous magnifiques, surtout celui de Robben. On se fait enclencher. Hein. Déclencher tout ce que tu veux, et à la fin... On sort après un 2-0 contre l'Italie, donc le contexte, il est posé. Et là, derrière, t'as donc interview d'après-match de Raymond Domenech, et le mec, il lui pose des questions sur le match. Déjà, premièrement, c'est même pas que le truc avec Estelle. Hein. Il te dit « Ouais, moi, je suis fier, cette sélection, elle a de l'avenir, je suis content de ses joueurs et tout. Franchement, c'est vrai qu'on se fait sortir, mais moi, je les kiffe. » Il est 10 ans d'avance, en fait. Je suis content, ouais, il était très, très, très en avance. Et juste derrière, en 2010, on sait ce qui s'est passé. Et après... le mec, il lui pose une dernière question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission ? J'ai noté la phrase, mais vraiment, parce que c'est tellement lunaire. Il lui dit « Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui. J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. » Et le mec, il regarde la caméra, genre limite regard mielleux, sourire en coin. Et à ce moment-là, je pense que sur le coup, tu te rends pas trop compte. Et après, quand tu réfléchis avec du recul, tu te dis « Mais c'est un truc de fou. » Enfin, je veux dire, c'est dinguerie de lâcher ça après s'être fait sauter comme ça. Les Kitas sont allés le relancer, enfin, sont allés le chercher à un moment donné derrière, en plus, longtemps après. Et quand il dit ça, elle est sur le plateau, en plus. Elle est sur le plateau. Elle est gênée de ouf. Il y a 100% foot qui doit commencer derrière, elle est gênée. Ouais. Elle est pas bien de ouf. Elle a jamais dit oui. Ah ouais, là, c'est chaud. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un moment. Et on l'a gardé après cette déclat. Et on l'a gardé. Deux ans. Et il a réussi à le faire. Et je crois, si je dis pas de bêtises, c'était le président, je crois Jean-Pierre Escalette à l'époque, qui dit oui, comment est-ce que vous voulez qu'on se sépare d'un sélectionneur qui vous emmenait en finale de Coupe du Monde ? Il y a un moment donné, la Coupe du Monde, c'est pas une caution éternelle en fait. Donc bon, voilà. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé.
Bon, bah, en tout cas, voilà, c'était le pire du pire. Donc, on fera ça. Merci pour ces très bons souvenirs. De temps en temps, on pourra de relativiser des fois. Hein. Avec une autre équipe, avec une compétition, on s'amusera. On n'a pas trop à se plaindre ces dernières années quand on voit tout ça, quoi. Donc, on revient. Bien. Mais c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'on a eu une chance de se relever quand même assez vite. Oui. 2 ans après NST, on fait un quart d'euro. 4 ans après, on va en quart de Coupe du Monde. Et après, il y a voilà, l'ère après, Deschamps. Après, il y a Deschamps qui arrive et ça fait beaucoup de bien. On enclenche beaucoup de choses. Il y a un nouveau cycle de joueurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sélections qui seraient peut-être pas relevées de ça. Parce que NST, tu vois, ce qu'elle a fait comme impact dans la société, tu vois, le fait que moi, je m'en souviens à la télé, on suivait tu sais, avec en direct Thierry Henry qui a atterri, qui va voir Sarkozy, Élysée, Roselyne Bachelot. Tu as un niveau de délire. Même, tu as parlé du France-Irlande. Je me souviens de De Chavannes le soir qui disait il faut rejouer le match, je lance une pétition. De Chavannes, connu dans le football. Pour rien. Rien à voir, le mec. Mais ça, tu vois, sur la main, ça pourrait être un autre débat. Mais pareil, hein, moi, je pense que on a un peu abusé avec Thierry Henry. Moi, je suis désolé. Hein, je fais partie de ceux qui pensent que, franchement, comme on lui est tombé dessus, et même ce truc de oui, on a triché, on s'est qualifié, les gars, faut arrêter 2 secondes. Soyons honnêtes, on a tous joué un peu au foot. Ça nous est tous arrivé de faire une faute et de pas le dire, d'obtenir un péno alors qu'il y avait rien, quelque chose. Voilà, c'est le foot en fait. C'est ça comme fait ça. Partie un peu. Là, tu peux qualifier ton pays en Coupe du Monde. La vérité, il y a pas de sentiment. Oui, tu préfères qualifier dignement entre guillemets, mais tu peux pas en vouloir. Tu peux pas lui en vouloir, Henri, d'avoir fait la main. Évidemment, les règles sont les règles. Ça, c'est vrai que c'est ridicule. Voilà, dans d'autres pays, ça aurait été une légende. Mais bien sûr. Regarde Luis Suarez contre le Ghana. Exactement. Dans d'autres pays, exactement. Il aurait qualifié le pays. Oui, c'est pas beau, mais bon, voilà, c'est humain. C'est le foot, en fait. Le pays. C'est le foot. En France, c'est vrai qu'il a été, fallait abandonner. C'est devenu un paria. C'est devenu et un paria. On va voir s'ils sont bons dans le chat. Main de Thierry Henry. C'est Galas. Qui... But de Galas. Non, ça, on l'a. Merci de spoil. Mais c'est vrai qu'on se fait tous niquer. Enfin, tu peux te faire niquer sur ça. Youth, le quiz, c'est à 19h50. Bien sûr. Bon, messieurs, on passe à la revue. Messieurs, la revue de la semaine avec quelques petites infos et on commence avec celle-là sur Hervé Renard, citation d'Hervé Renard. Je suis en fin de contrat au 31 août et j'ai annoncé à la fédération que je ne continuerai pas. Voilà, c'est les mots qu'il a prononcés. Donc fin de l'aventure pour lui, il ne va pas prolonger après les JO. Toi, tu le kiffes. Évidemment. Hein. Alors là, vraiment, Bruce, tu ne dis rien de méchant. S'il te plaît, vraiment. Je dis rien, je dis tu le kiffes. Non, je te préviens avant. Moi, j'ai le droit de parler en mon nom après. Non. On lui aussi, on va l'avoir dans l'émission après Didier, c'est bon, ça. On va discuter avec Lipion et Yous. Toi, on va l'avoir dans l'émission. Toi, tu parleras sur la prochaine. Au lieu de Didier ou quoi, t'auras Pori sous Poinon ici en plateau. Qu'est-ce que tu dis ? Il nous parle de Deschamps, d'Hervé Renard. Tranquille. Bruce, fais pas le con, s'il te plaît. Alors, Hervé Renard, ce qu'il a expliqué justement quand il a annoncé ça, il explique qu'il était venu pour faire mieux que ce qui s'était fait avant avec cette équipe de France des féminines et il a rappelé qu'il a réussi quand même à l'emmener en finale de Ligue des Nations, donc pas loin d'un titre continental. Et il explique aussi qu'en fait, il s'en fait pas pour la sélection et les joueuses parce que selon lui, les joueuses, elles ont l'habitude des changements de coach dans leur club. Donc voilà, il sera resté finalement que 1 an à la tête de la sélection féminine. Alors messieurs, quel est le sentiment je commence avec toi, Pignon. Quel sentiment ça te laisse de voir Hervé Renard quitter aussi rapidement la sélection ? Est-ce que tu te dis qu'il y a un truc, qu'il y a un loup dans la prairie quelque part ou est-ce que pour toi, Renard, ça se comprend ? Loup, etc. J'ai même pas fait exprès. Le loup, le renard et la belette, c'est ça ? Elle allait venir, la belette. Braque, on te connaît. Je te promets, j'ai pas fait exprès. Vas-y, Pichon. Justement, ce fameux loup dans la bergerie, c'était l'intérim... en Côte d'Ivoire, quand il était prêt à accepter, tu sentais déjà que lui, voilà, il aura envie de retourner en Afrique, de diriger une sélection. Il a pas balayé ça d'un revers de la main. Il était tenté aussi par l'Algérie, que l'Égypte lui a fait une très belle proposition et que c'est sans doute ce qu'il va accepter, selon ce qui se dit après cette aventure avec les Féminines. Donc il avait déjà, tu vois, mis des alertes. Après, écoute, il a fait une Coupe du Monde, une Ligue des Nations et il va faire les JO. Il aura fait un an et demi. C'est sûr que pour les féminines, avoir eu un coach comme ça, ça leur a mis quand même pas mal de lumière. C'était positif. Ça peut être un peu frustrant, justement, le fait que ça dure peut-être pas assez longtemps. Ouais. Mais justement, là, tu te dis, OK, on sait que ça va être sa dernière. Il y a un one shot, c'est les JO. En plus, il y a un gros casting. Il y a toutes les plus grosses sélections parce que là, c'est vraiment un rendez-vous qui va être assez costaud. Donc, écoute, Hervé Renard, lui, je pense qu'il était prédestiné. Il a dit, même chez Zach, hein, voilà, il voulait retourner diriger une équipe en Afrique. Ouais. Le football de club, ça intéresse plus, c'est vraiment les sélections. Ouais. Donc voilà, on avait quand même plusieurs arguments pour laisser croire qu'il avait envie de finir cette aventure avec les Bleus sur ces JO.
Ok, ok. Alors, vous savez quoi, on a Mélanie avec nous, qui était déjà passée avec nous. Souvenez-vous, c'était à l'époque de la fameuse polémique avec Corinne Diacre, où c'était un petit peu parti en cacahuète. Mélanie qui tient la page Instagram EDFR Féminine, qui est vraiment super cool. Salut Mélanie, tu nous entends ? Salut, ouais, je vous entends parfaitement. Eh bien, bienvenue salut, à toi dans salut, le jeu, toujours un plaisir de t'entendre. Alors, Mélanie, ce qui est drôle, c'est que toi, tu as un avis un petit peu différent de l'opinion générale vis-à-vis de l'annonce du départ d'Hervé Renard. Ouais, je pense que... Alors, explique-nous. Du coup, Braque, on ne va pas être copains ce soir. Ah, vas-y, dis-nous. Voilà, dis les choses. limite, j'ai hâte, en fait, de l'après-Renard. Parce que, comme tu le disais, ok, c'est bien, il est allé en finale de Ligue des Nations, mais c'est toujours pas un titre, en fait. Nous, ouais, ce qu'on veut, c'est des titres. On veut un sélectionneur qui a aussi la passion du football féminin. Mmh. Et clairement, je ne le ressens pas avec Hervé Renard. Donc, j'ai hâte de l'après, même s'il a apporté de bonnes choses. Mmh. Je suis d'accord, il a emporté un petit peu de lumière et tout au niveau du foot féminin, mais... C'est pas encore ça. Et je vous dis la vérité, je suis une grande fan du foot féminin et des Bleus. Oui. À l'heure actuelle, je suis incapable de regarder un match entier des féminines. Ah, à ce point-là. Alors, c'est marrant, ouais. Mélanie, parce que c'est vrai que moi, on a vu passer pas mal de trucs où Renard était un petit peu remis en question. Il y a même une joueuse, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on avait vu cette fameuse causerie dans le vestiaire. Une joueuse qui disait oui, mais alors c'est marrant de faire des causeries comme ça, mais il y a rien finalement de fou là-dedans. Et puis, il y a peut-être d'autres manières de parler aux joueuses parce que c'est un football qui est quand même différent du football masculin. Toi, t'es un petit peu du même avis. Tu penses que finalement, Renard n'était pas vraiment à sa place ? En fait, je pense que pour moi, il y a du positif. Hervé Renard, c'est un excellent coach, que ce soit du foot masculin ou du foot féminin, ça peut apporter un plus. Mais pour la petite anecdote, j'ai eu cette anecdote en fait d'une joueuse de l'équipe de France, d'une, ouais, jeune joueuse. Mm-hmm. Avant sa première liste, il avait fait une présélection, ouais, avec des joueuses retraitées. D'accord. Du coup, en fait, là, tu te dis, on a un sélectionneur qui, effectivement, il a un background, enfin, qu'on se le dise, quand on regarde sa page Wikipédia, c'est fou, c'est un mec incroyable et un coach incroyable. Oui. Mais d'un point de vue football féminin, tu te dis, il fait une première présélection avec des joueuses qui ne jouent même plus au foot. D'accord. Et retraité depuis longtemps, ou genre retraité Marinette Pichon, genre le mec totalement largué, quoi. Ouais, non, peut-être pas Marinette Pichon non plus, mais peut-être un petit peu du Bussaglia et tout ça, tu vois. Ouais. Ok. Bruce, je te demande quand même ton avis. Ouais. Toi, t'en penses quoi ? Même si je sais que nous, évidemment, on ne suit pas le football féminin comme Mélanie, par exemple. Mais est-ce que pour toi, c'était prévisible, justement, de voir Renard partir aussi vite ? Alors, d'une certaine façon, oui, parce qu'il nous a habitués à ça par le passé, à faire une ou deux piges, tu vois, à ne pas rester plus de 2 ans. Ouais. Mais ces derniers temps, avec l'Arabie Saoudite et le Maroc, il était resté 3-4 ans. Ouais. Donc, tu vois, tu te disais... Pour parler de projet, il faut rester au minimum 2-3 ans peut-être, tu vois, pour commencer à construire quelque chose. Là, c'est très court, mais j'ai l'impression que, bon, ça, comme vous avez dit, ça a pu mettre un peu en lumière la France. Et lui aussi, il s'est servi un peu de ça, j'ai l'impression, pour qu'on, ouais, parle de lui aussi, tu vois. Mais forcément, bon, tu viens une année, ok, tu fais quelques compétitions, ce que tu veux et tout. Mais moi, je trouve que ce n'est pas fou non plus, quoi. Ouais, c'est et bon, là, de ce que j'entends, ça ne fait pas très sérieux aussi, quoi. Si tu appelles des joueuses, etc., qui sont à la retraite, bon, ça te monte un peu le truc, quoi, tu vois. Ouais. Alors, Mélanie, juste pour conclure un petit peu, c'est quoi l'avenir, du coup, des Bleus, eux ? Est-ce que cette équipe va se relever de ça, en tout cas ? Est-ce que ça va être un mal, justement, pour un bien ? On a entendu, là, passé que Reynald Pedros s'était proposé pour reprendre l'équipe. Pour toi, qui est-ce qui doit prendre cette équipe, finalement ? Quel est le meilleur profil pour, justement, la conduire ? Ah bah très clairement, Reynald Pedros, ça vend du rêve, hein. Vraiment. Okay. C'est voilà, avec l'OL féminin, il a eu un très beau palmarès. Mmh. Avec le Maroc, du coup, il était à la tête du Maroc à la Coupe du Monde, qui a ramené du coup pour la première fois de leur histoire en quart de finale. Ouais. Donc Reynald Pedros, non, très très bon sélectionneur, il est à fond dans le foot féminin. Mmh. En fait, pour moi, il a ce truc qu'Hervé Renard n'avait pas forcément, c'est la passion. Parce D'accord. que je trouve qu'en fait, tu peux être un coach, mais on parlait beaucoup, tu sais, de la communication de Diacre, qui n'était, ouais, pas très bonne, qu'on se le dise. Quand on voit Hervé Renard qui l'a dit, en gros, bof, les filles, elles ont l'habitude de changer de coach, ça, oui, va le faire. Comme dit Bruce, effectivement, il faut du temps, tu vois, il faut 2-3 ans pour faire tout ça. Donc,
tu dis, bah, il n'y avait peut-être pas tant de considération que ça. Et pour moi, sa mission principale, c'était d'essayer de... C'était plus politique, essayer de rappeler des joueuses comme Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, ouais. Essayer de regagner un petit peu le cœur des supporters. Donc c'est sûr que ça nous fait du bien. Pour moi, on a une très bonne équipe, on a une très belle génération. Écoute, je ne sais pas, on avait un bon coach, visiblement ça ne fonctionne pas. Après, il y a les JO qui arrivent, on croise les doigts pour aller chercher une petite médaille. Et même ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, vous en parliez, pour moi ça fait trop opportuniste, ça ne fait pas sérieux. Ouais, enfin, où tu vois ça entre-temps, il y a une petite occasion, allez hop, tu veux aller à la CAN, etc. Non, mais où tu vois ça, sérieux ? Faut être honnête. Non, non, je comprends. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Je comprends, chance de recevoir Hervé Renard dans l'émission réduite à 10%. Merci beaucoup Mélanie. Merci à toi, merci d'être passé dans merci. Jeu. Salut. Et bien sûr, on te rappellera hein, si jamais on a encore des choses à voir. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis Mélanie, si vous voulez la suivre, c'est sur la page Instagram EDFR féminine. Franchement, elle fait du bon taf et ça permet bah, voilà, de suivre l'actu de l'équipe de France contre, féminine au mieux. C'est quoi ? Je me prends un coup de pression par toi. L'autre, il ouvre la porte, il me met un coup de pression aussi. C'est... Moi, vous me dites, je viens plus. Si je peux pas dire ce que je pense, je viens plus. Hein. Moi, non, Bruce. Je suis pas un vendu comme certains. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils viennent, qu'ils viennent pas. Si ça leur plaît pas, c'est pareil. J'en ai rien à cirer. T'es un pilier ici, Bruce, mais on a besoin de toi quand même. Joue pas contre nous, Bruce. J'en ai rien à foutre. Si on peut pas dire les choses, parce qu'un tel. Si, intérêt, tu peux moi, dire les choses. Je parle plus foot alors. Mais pas tout. Merci Mélanie. Salut. Merci, salut. Salut à toi Mélanie. Merci. On passe à la deuxième actu et je voulais qu'on parle. À moins que tu voulais rajouter un truc, Youss, sur. Non, tu dis pas qu'il reviendra. Ah, bah, non, ah, si, non, mais si, je l'ai dit. Okay, alors, tu suis pas Youss. Alors, du coup, messieurs, on va maintenant parler d'un sentiment ou plutôt d'une tendance. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Brack? Une tendance qui monte ces derniers temps, celle qui voit l'Angleterre gagner l'Euro 2024. Oh, c'est ton sentiment. Source, Brack de Blackpool. Ah, ouais. Alors, messieurs, alors, évidemment, les premiers à penser... Hendrik Rijkaard. Oui, Hendrik Rijkaard, oui, il a eu de la chance. messieurs, ça ne vient pas de moi, bien entendu, c'est les Anglais eux-mêmes, hein, les consultants, les joueurs, le sélectionneur, Gareth Southgate, qui sont plutôt confiants, très, très, très confiants. Alors, il n'y a pas que eux, évidemment. Il y a aussi les bookmakers. En gros, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'Angleterre est favori numéro 1. Chaque compète, ils sont quasi tout le temps favoris. Ouais, parce que là-bas, ils n'étaient pas favoris numéro 1. Non, mais ils sont quasi tout le temps un peu sûrs, machin. Je veux dire, et là, ça est peut-être mérité, mais en général. Ils ne sont jamais très loin. Ouais, dans les cotes, les trucs, même les clubs anglais, souvent. Voilà, ils sont jamais très loin. Alors, il y a pas mal de facteurs qui peuvent les amener, tout ce beau monde, à penser cela. Il y a déjà l'expérience, parce que c'est vrai que dernièrement, l'Angleterre est allée très souvent très loin dans les compétitions. À l'Euro, notamment, ils font finale. Il y a cette génération dorée, il y a les Jude Bellingham, il y a les Phil Foden, Bukayo Saka, Declan Rice, Jack Grealish aussi, bien entendu. Tout est réuni sauf une chose. Est-ce que c'est le momentum de l'Angleterre ? Est-ce que c'est le moment pour cette équipe de remporter cette compétition ? Je commence avec toi, Youss, parce qu'on t'a pas entendu sur l'équipe de France féminine. Est-ce que tu y crois, toi ? Est-ce que tu penses que vraiment l'Angleterre a une vraie carte à jouer ? Ouais, non, mais après, ouais, c'est assez souvent le cas. Maintenant, ouais, moi, je pense que le principal point noir, c'est il est à chercher du côté du banc. Hein. Gareth porte du sud, je suis toujours pas convaincu. Après, c'est vrai que sur le papier, en termes de complémentarité, d'individualité, c'est incroyable. Et puis le maillot qu'ils ont sorti, moi je suis très fan. Non, clairement. Brack aussi. Il a déjà le domicile extérieur. Mais c'est vrai que l'ensemble, il passe bien, simple, efficace. Moi, j'aime. Il est beau. Tu l'achètes. Et tu vois, eux, le numéro façon un peu 98, il passe bien sur l'air. Je trouve qu'il s'intègre bien. Ouais, non, ils ont les joueurs, ils ont l'effectif pour. Moi, je pense qu'il y a tous les ingrédients. Après, attention à l'Allemagne. On parlait du match à France-Allemagne. Moi, quand je vois cette équipe d'Allemagne jouer, ils seront à domicile, Wirtz et Moussiala. Je pense qu'ils peuvent, tirer leur épingle du jeu. Donc, ouais. Angleterre, s'il faut donner un favori, je dirais Angleterre. Angleterre, Bruce, je sais que toi aussi, tu les vois très, très bien. Alors, tu ricanes et tout depuis tout à l'heure, mais je sais que tu as un sentiment aussi. Les Anglais, je les vois toutes les dernières compétitions. Je les voyais de choc comme d'habitude. À chaque fois, ils sont de choc. Ouais. Mais là. Là, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que quasi tout est réuni, mais il y a ce fameux coach, hein, Youss en a parlé, où j'ai quand même, il y a toujours des choix douteux. J'ai un peu de mal avec lui, voire beaucoup de mal, et peut-être qu'avec lui, ils gagneront pas, quoi. Qu'ils gagneront pas à cause de lui. S'ils gagnent rien avec cette génération-là de joueurs et tout, symbolisés par Kane et tout, c'est en grande partie à cause de lui et certains choix, parce que pour moi, c'est pas normal, quoi. Il y a tout ce qu'il faut et c'est vrai que lui, je le trouve catastrophique et je sais pas ce qu'il faut encore à la tête de l'Angleterre après tous ces échecs, même si oui, il y a eu demi, il y a eu finale, etc. Mais pour moi, c'était le minimum syndical.
T'as tout pour gagner et je suis désolé, je comprends pas comment ce mec-là, enfin il a un totem là-bas, c'est un truc de taré. Donc c'est peut-être lui qui peut les mettre dedans, si c'est le cas, bah, tant mieux pour la France. Mais sinon, oui, si tu regardes l'effectif, les joueurs, tout ce que tu peux avoir, bah, c'est sûr qu'avec la France, c'est sûrement le meilleur effectif de l'Euro et peut-être même le meilleur effectif quand tu regardes la forme du moment, de beaucoup de cadres, des cracks qu'ils ont, comme Bellingham, Foden, t'as Saka, t'as Kane, etc. Rice, bref, il y en a plein. Rashford. Ouais, enfin ouais, après on parlait de forme sur l'année. Rashford, c'est pas. On oui, va pas mais le niveau Rashford, de Kane. Ça reste quand même un talent, Bruce. Oui, oui, mais. Rashford, qu'on le veuille ou non. Oui, mais c'est pas le plus en forme toi, sur la saison. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, ils ont un vivier de joueurs incroyable, oui. Ok, ok. Pipion, on a l'impression que les planètes sont alignées. Toi, t'es d'accord avec tout ça? Moi, j'ai trois favoris de base. C'est l'Angleterre par rapport justement à cet effectif. Le Portugal qui a une très belle dynamique. J'ai l'impression que Roberto Martinez a apporté enfin quelque chose. Il y a aussi une remise en cause du statut de CR7. Et le match contre la Suède, j'ai regardé, c'est quand même pas mal du tout. Donc, je surveillerai le Portugal. La France par rapport à son expérience et tout. Ouais. Et le match de samedi, je pense pas que ce soit la culture de l'instant, mais l'Allemagne à domicile, j'ai envie quand même de mettre une petite pièce là-dessus parce que ce 11-là m'a beaucoup plu. Après, pour revenir sur l'Angleterre, il y a deux, trois postes où on sent que c'est peut-être encore. Voilà, je sais pas si Luke Shaw sera revenu à 100% pour le l'Euro. Chilwell contre le Brésil, c'était pas dingo. Il y a aussi la recherche du deuxième milieu de terrain avec l'été d'Inclan Rice. On sait qu'il a testé Gallagher. Il y a Kobbie Mainoo qui va peut-être nous faire justement une météorite. Le mec va être titulaire à l'Euro. Une Zaïre Emery. Moi, je comprends pas comment Loftus-Cheek est même pas dans le groupe. Non, mais c'est vrai qu'il la forme et box to box, tout ce qu'il fait, je te le dis, Gallagher, ce qui tu veux, machin truc, en Angleterre, il ferait bien, bien mieux. Mais Loftus-Cheek, mais bon, vu que Porte Sud et les Anglais, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, ils regardent que leur championnat. Tomori, là, il revient de blessure, je peux comprendre. Même Tomori, il est rarement appelé ou pas toujours appelé, ou Loftus-Cheek, c'est incompréhensible pour moi. Non, très clairement, je pense qu'il a son mot à dire parce que ouais, Gallagher peut être utile, mais c'est pas non plus genre plus. Anderson, on arrive quand même au bout du chemin. Calvin Phillips, il a totalement perdu ses moyens. Ouais. Donc il y a encore, tu vois, 2-3 postes, mais c'est vrai que par rapport à l'effectif, si, voilà, comme tu dis, toutes les planètes sont alignées, normalement, il n'y a pas trop de concurrence. Mais ils ont quand même une pression maximale, aucun titre remporté depuis 66. Tout le monde les voit gagner, tout le monde les voit trop beaux. On sait souvent comment ça finit ce genre d'histoire, à part peut-être aller. L'Espagne dans sa grande ère de domination, jamais tu vois on a vu une équipe, ou peut-être l'Allemagne 2014, on n'a jamais vu tu vois justement ce côté l'équipe elle va au bout, donc franchement ils seront très très attendus. Et moi je vous rejoins, c'est vrai que notre ami Gaëtan, on l'attend à chaque fois au tournant, à chaque fois ça coince, donc je sais pas si ce sera la compétition la dernière chance, mais à chaque fois tu vois il passe à côté du titre et à chaque fois il est prolongé, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Ouais c'est un peu chelou. Et juste je peux rajouter, moi je suis d'accord sur l'Allemagne, et moi j'avais un feeling avant le match de la France, j'en parlais déjà ces dernières semaines quand on me demandait, je disais je sais pas pourquoi, alors ça se trouve ils vont faire un vieil euro, mais je sais pas, le fait de jouer chez eux, la génération qui arrive, les jeunes qui prennent aussi le pouvoir, t'as fait changer d'avis un peu. Le retour de Kroos et tout. Et puis le match contre la France, forcément, te montre qu'ils peuvent faire des matchs de très 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 haut niveau. Ils seront à la maison. L'Allemagne, je pense, candidat très sérieux aussi. Un Brusque convaincu. Ça me va très bien. Mais si on va ouvrir un dossier maintenant, parce qu'avec Poineau, on a les yeux un petit peu partout sur les réseaux. On suit tout le monde, même Canto. Et on suit parfois vos démêlés que vous pouvez avoir sur Twitter. Tu vois, notamment, Bruce, des fois, tu as des petites passes d'armes. Donc on les voit et on en parle dans l'émission. C'est rare. Mais... Et du coup, aujourd'hui, on va ouvrir le dossier de la fameuse équipe 6. Alors. Alors, déjà, messieurs, pour contextualiser, alors, sur la page d'Aliotop, vous l'avez peut-être vu passer, voilà, youtubeur foot très populaire. On pouvait retrouver mercredi dernier une créa dans laquelle, vous le voyez, on nous présentait 5 équipes hiérarchisées, en gros, qui mettaient en avant le vivier de l'équipe de France. Dans l'équipe, non, il y avait bien sûr. Non, c'est pas hiérarchisé, 5 équipes non, mais bonnes. Quand je te dis hiérarchisé, c'est que ça part de la meilleure à la. Giroud, il est dans la deuxième. Non, mais il n'y a pas c'est pas très cohérent sur certains postes. Ah, eux, ils ont voulu hiérarchiser. C'est juste des mots. Moi, j'avais l'impression que c'était 5 belles équipes. Non, ça a du flow. C'est vraiment dégressif. Et du coup, on le voit dans chaque sélection, vous voyez qu'il y a plusieurs joueurs et plusieurs équipes. Et l'idée, en fait, c'est que sur chaque 11, tu voyais qu'il y avait toujours une équipe de fou. C'était ça un petit peu l'idée de ce tweet et de cette créa. Même s'il y avait des incohérences, comme tu le dis, Pipion. Il y en avait donc 5 en tout. Et ce petit filou de Pipion, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, en citation, les caméras. Proposer une équipe 6. Parce que Pipion, évidemment, vous le connaissez. Lui, c'est le hipster originel. Et il s'est dit, pour le fun, voilà, je vais mettre quelques joueurs de Ligue 1 et quelques joueurs qui jouent à l'étranger. Stéphane, non c'est clairement une équipe qui joue l'Europa League en Ligue 1. Mais après, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, en gros, t'as eu un peu de boulot
boulot parce que t'as des mecs qui t'ont un petit peu attrapé, d'autres qui étaient aussi d'accord avec toi. Mais raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé. C'est la sixième équipe. Voilà. Mais il y a des mecs qui l'ont attrapé. T'avais éliminé beaucoup d'équipes et moi, elle a du flou l'équipe, elle est pas mal. Alors explique-nous. Alors déjà le contexte, j'ai fait cette équipe sur mon canapé en slip à 23h30 en prenant les mecs sur Transfermarkt en regardant, alors, tiens j'ai posté ça avant de dormir en disant bah c'est vrai que mine de rien c'est intéressant de voir, on parle souvent du vivier, des fois on sait qu'on manque peut-être de joueurs très très talentueux comme on a dit, mais par rapport à ça c'est ce que j'ai dit, une équipe 6 comme ça, les joueurs qu'on n'a pas retenus, et qu'est-ce que ça donnerait juste par curiosité tu vois, ça donne une équipe voilà, qui joue on va dire l'Europe en Ligue 1, et je disais quand tu regardes le vivier de sélection tu te dis 70% des sélections t'envie, 70% avec sélection, je rappelle ça commence, il y a 210 sélections au classement FIFA, du coup on commence au 63e. Je dis pas que ça c'est meilleur que l'Argentine, que les Pays-Bas ou que l'Angleterre. C'est pas ce que t'as dit. On parle d'une équipe 6. Bah, l'Argentine, ils ont battu l'équipe première. Voilà, non, mais exactement. J'ai une question. Est-ce que t'as cherché avant de dire 70% pour être sûr de ta défense? À la base, j'ai. Non, mais à la base, j'avais mis 80%. Je dis, oh, vas-y, je vais doser quand même. t'as bien fait. Mais après, tu regardes. Et, bah si, c'est meilleur que 80% des équipes. Mais dans le top 30 aussi. T'es à l'Australie. Ouais, non, mais ça, ça va à l'Australie. Me dis pas que ça tape pas à l'Australie. C'est meilleur que 80% des équipes. Et encore une fois, au moins, hein, on rappelle, il y a 55 joueurs devant eux. Ouais. À aucun moment, je dis que c'est une équipe qui va faire quart de Coupe du Monde, qui va taper des trucs à l'euro ou quoi. J'ai juste que, bah, justement, où est-ce qu'on pourrait aller pour piocher. Et je trouvais que c'était quand même intéressant en disant bah ouais, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ça, alors que ça, pour nous, c'est l'équipe F. Quoi. Ouais, c'est marrant. Bah, pour moi, franchement, ça passe les poules de Champions League, hein, je te dis. Attends, ça tape Union Berlin ou alors ça contre l'Union de Berlin, il y a peut-être match. Non mais tu vois, globalement, c'est là où tu dis, c'est intéressant parce que t'as des joueurs confirmés, t'as des mecs qui ont pas eu encore leur sélection en équipe de France ou des joueurs un petit peu kiffants, type Bourigeaud. T'as des mecs qui ont déjà été appelés comme Todibo. T'as des espoirs comme Désiré Doué, comme Merlin. Donc je disais, c'est bien aussi de mélanger, tu vois, aussi. J'ai fait une vraie équipe comme si avec la pyramide des les gars, ça joue la Suisse qui gagne. Non, la Suisse. Ouais, je sais pas en vrai. Moi, je pense qu'il y a match. Ah, la Suisse, quand même. Moi, je dis qu'il y a match. Ah, t'as Chaka, tout ça, t'as un peu plus... Moi, je pense qu'il y a match. Toi, tu penses qu'il y a match? Moi, je pense qu'il y a match. Ouais, je pense qu'il y a match. Okay. Bon, bah, le mélange d'expérience et de jeunesse, moi, je trouve le 11 est pas dégueu. Pourquoi tu prends ta voix comme ça? Non, moi, de toute façon, je non, mais c'était pour situer à peu près, tu vois, par rapport aux équipes qu'on disait machin, où ça se situe, tu vois. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'était intéressant. Merci, Pipion, pour le divertissement. On s'est bien régalé à préparer tout ça. Maintenant, on va passer à la VAR, la VAR de Pipion. C'est vrai que c'est ton moment. Putain, c'est mon émission. Attends, là. En vrai, je me suis même pas rendu compte que dans l'enchaînement du conducteur, il y avait la barre derrière. Après, je vais vous donner beaucoup la parole parce qu'on est là pour prendre des notes. Hein. On est là pour apprendre. On est juste là pour t'accompagner. Le quiz, c'est sur ma vie, c'est quoi? Non, non. Parce que là, wow. D'ailleurs, on en a fait un coup sur ta vie. Oui, c'est déjà arrivé, malheureusement. On sait déjà tout. Alors, Pipion, aujourd'hui, tu nous présentes un top 5. En gros, top 5 des documentaires foot à ne pas manquer. Ouais, parce qu'il y a celui sur le triplé de Manchester City qui sort bientôt sur Netflix et qui ça va être assez intéressant. C'est quelle date? Je crois que ça sort le 1er avril, lundi prochain. Donc ça va être assez intéressant à voir. Et c'est vrai qu'on on est tous des passionnés, on aime bien vivre les matchs en direct, mais je trouve que c'est un exercice qui est toujours très intéressant de voir des documentaires. Mm-hmm. J'en ai sélectionné quelques-uns. Ouais. Pour moi, c'est celui qui a relancé le genre justement de l'inside au sein du club. On rappelle Sunderland, la première saison, c'est quand le club est relégué de Premier League, qui commence la saison de Championship. Alors je ne vais pas trop spoiler sur l'issue de la saison pour ceux qui voudraient découvrir ça en direct. Mais en gros, je prends juste le premier exemple, c'est un match amical. Ils font une rencontre contre le Celtic, t'as 30 000 personnes qui viennent au stade pré-saison, il fait beau, c'est rare dans l'Angleterre du Nord, les gens sont trop confiants, ouais vas-y on va gagner 2-1, on va se refaire, bim 5-0 ils perdent. Donc déjà ça lance direct le ton de la saison et c'est assez drôle parce que vraiment il y a très très peu de moments qui sont cachés, il y a juste par exemple Jack Rodwell, je sais pas si tu te souviens de ce joueur. Non, oui bien sûr. Le milieu de terrain qui toujours rasé, court et tout. Everton City, lui était un peu vénère, il lui a dit ouais moi les caméras vous me les enlevez et tout. Ouais, donc, on montre juste les grilles du documentaire. D'accord. Et sinon en fait il montre vraiment tout et il y a une des séquences qui est très très drôle, c'est pareil lors du mercato de pré-saison, il dit regarde bah voilà qui sait qu'on peut se renforcer, il y a pas beaucoup de moyens, ils font une liste de joueurs libres et là tu vois il rigole un petit peu en disant ah tiens regardez il y a Zlatan, on ferait pas une offre. Bah non, Zlatan n'est pas venu dans ton club de deuxième division. Poteau, donc il faut arrêter. Et non, franchement, c'est très très bien. Et du coup, ils vont relancer. Il y a eu deux saisons, ils vont en faire une troisième. Honnêtement, bah, je crois qu'il est vraiment. Mais il y a eu le début de la troisième. Moi, j'ai vu les trois épisodes là. Ah, bah, il y a eu le troisième. Mais ça vient de sortir, mais il n'y a que trois épisodes. Je les ai regardés. Moi, j'étais dégoûté parce que c'est fini vite en fait. Tu vois. Ouais. Mais ce qui est trop bien avec ces documentaires là, c'est que vraiment, c'est.
tu parles pas de tactique, tu parles pas de tout ça, et puis tu vois en fait ce que tu ne vois jamais quand tu regardes du foot, et ça c'est trop cool. Et tu vois, par exemple, il y a un moment dans la première saison, parce que moi j'ai vu que la première saison, t'as le mec qui vient faire sa visite médicale et tout, et tu vois comment ça s'active autour de lui, comment les mecs ils... enfin je veux dire, c'est franchement, c'est trop intéressant, tu rentres dedans. Et les mercato aussi, bon, tu vois que tout n'est pas très bien géré quand un club va pas bien, du coup il y a des dingueries à chaque fois. À chaque fois qu'il signe un mec, t'as l'impression qu'il faut venir un crack, mais au final, bon, grave. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tu vois aussi les intendants, les fans, c'est ça, les c'est supporters. Ça. En fait, la vie dans un club. Et d'ailleurs, sans spoiler, la fin de la troisième saison, elle est, franchement, elle est triste. Ah bon? Ah, ça fait de la peine, ouais. Oh, ah d'accord. Donc, je spoil pas, mais je sais pas s'il y en a qui ont vu. Enfin, okay. Je m'attendais pas à ça, et j'avoue, dur. Ok. Mais c'est vrai que c'est une bonne série dans l'ensemble et tout, ça permet de vivre des trucs. Nous a glacé. Non, franchement, comme tu dis, bah, ils montrent vraiment les coulisses d'un club à 100%, et c'est super instructif. Et en plus, souvent, ça se passe mal à Sunderland. Du coup, tu vois, ils cachent pas les trucs en mode vas-y, on va se freiner. Donc, c'est plutôt positif. Ouais. Pareil, je continue sur les coulisses de club. Le modèle All or Nothing sur Amazon qui marche très, très bien. Oui. Et forcément, il y en a deux qui ont été assez marquants. Bah, j'ai pris les deux rivaux, hein, Arsenal et Tottenham. Arsenal pour montrer la construction sous Arteta. Une saison qui, en plus, démarre très très mal, 3 défaites de suite, l'ampoule, la lumière, il y a quand même pas mal de moments assez cultes, les causeries d'Arteta, tu vois, c'est revenu et tout. Genre, le mec chose. Il dit voilà, quand le cœur tient la main du cerveau, on est possible de tout. Il y a aussi je crois que c'est le photographe qui a depuis 30 le ans photographe, qui fait sûr, un discours qui est sur les histoires. Donc franchement, je trouve que c'est assez bien réussi. T'as aussi des joueurs comme White, comme Ramsdale qui arrivent, tu vois leur intégration, c'est intéressant. Le seul moment qui finalement est un peu caché, c'est Aubameyang qui perd son statut de capitaine, et on a le sentiment qu'il y a quand même un très gros truc. On le dit pas dedans. Il le montre pas. Tu vois qu'il y a des embrouilles, c'est parti en couille de fou. Il montre pas, mais ça montre aussi comment est-ce qu'un club tente de se reconstruire. Et celui sur Tottenham, forcément, eux, ils sont tombés la bonne année, quoi. Mourinho qui arrive, période de Covid en plus. Mourinho avec tous les moments cultes qu'on connaît. L'échange avec Danny Rose qui se plaint. Dele Alli, tu ne seras jamais un grand joueur. Voilà. Avec comme Aurier ça. Aussi. Aurier, il y a aussi la bagarre entre Son et Lloris. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et honnêtement, c'est vrai qu'ils ont, pareil, ils ont montré pas mal d'images. Forcément, c'est ce qu'on aime, ce qui pétille, les petits coulisses, c'est vraiment très très fort. Donc, et j'en ai sélectionné un dernier sur la vie d'un club, là c'est beaucoup plus bas. On avait déjà parlé quand j'avais fait une chronique sur Wrexham, ce fameux club qui est monté en 4ème division avec notre ami Ryan Reynolds qui a acheté ce club qui évolue du coup désormais en Ligue 2. Et c'est sur Disney, ça montre vraiment l'évolution, comment est-ce que Hollywood arrive dans un club à petite échelle mais tente de le construire. Comment est-ce que justement ça passe à un phénomène marketing, le fait que ça se développe, que les joueurs prennent au jeu, comment est-ce qu'ils vivent aussi cette nouvelle notoriété. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, et ils sont repartis pour faire d'autres saisons. Donc franchement, c'est une très très belle découverte. En plus, il y a beaucoup d'épisodes, je crois que la poisson, c'est ça 24. Se regarde bien, ça se regarde très bien, franchement. C'est pour ceux qui aiment le genre de, c'est un peu une aventure Football Manager avec un mec qui vient d'Hollywood, donc ça a côté un petit peu aussi tout leur business model est basé sur autour de la série, et ça leur a permis de très clairement ça crée une hype. Super intéressant. Ah, franchement, ils sont costauds. Après, j'ai sélectionné deux séries sur deux joueurs. Pareil, c'est fait sur Netflix, mais je trouve que c'est des très très bons modèles. Il y a celle sur David Beckham. Beckham, évidemment. Qui est sorti récemment. Là, ça s'affiche, celle sur Luis Figo. Là, c'est deux épisodes. Je l'ai vu. Et ouais, ça montre comment Florentino Pérez est devenu le Florentino Pérez qu'on connaît, à savoir le mec qui va prendre à l'époque le meilleur joueur du monde au Barça, qui le ramène au Real pour se faire élire et qui réussit cette promesse. Et Figo lui-même voulait rester au Barça et finit par se faire embrouiller. Le mec qui dit je vais signer un tel et te les fait venir, alors que ça paraît trop gros, quoi. Donc honnêtement, t'as aussi Paulo Futre, l'ancien joueur portugais, qui est un espèce de personnage haut en couleur qui réussit à convaincre Figo. Donc t'as toute cette coulisse où comment est-ce que on réussit à faire ce transfert. Donc c'est franchement assez Figo pas complètement clean aussi quand tu regardes le truc. Il y a Figo, eu des il dit pas tout. Façon, évidemment Figo il est assez saisissant. Et sur Beckham, je trouve qu'il raconte bien aussi sa vie, le fait que c'était très très tôt une star, un phénomène médiatique, peut-être le premier à une très très grosse échelle, le couple à Victoria Beckham. C'est quoi son surnom déjà? Poche aussi, franchement, elle lui a mis des bâtons dans les roues de carrière. C'est vrai que c'est assez... Elle m'a saoulé dans le poche toutes les deux secondes, et c'est Spice bon. Girls. Moi, je trouve que le moment, comme je vous ai dit, après le carton rouge contre l'Argentine à la Coupe du Monde 98, il revient au pays, c'est un paria. Il revient dans les stades, il se fait siffler de partout. Même à Manchester United, il y a un petit malaise et tout, mais c'était le fils à Sir Alex. Il y a le départ au LA Galaxy, il y a la fin de carrière. Je trouve que c'est vraiment un documentaire qui est très complet sur lui, franchement, qui est très très bien raconté. Mais il est bien fait en vrai. J'aime bien sa petite salle là où ils font la bouffe, les barbecues et tout. Je sais pas, ça, on en parle. Ça t'a marqué. Elle est incroyable. La vue qu'il a, sa petite pièce, t'es trop bien là. Tu fais apéro, barbecue, la bouffe. Ah, incroyable. Ouais, c'est fort. C'est vrai qu'il se met bien. Il se met très très bien. Et après, le dernier, pour ceux qui aiment l'odeur du sang, la corruption, un truc sur nos amis de la FIFA, évidemment. FIFA Uncover.
Là, on prend la voix de Romain Molina pour se pencher sur. C'est à but non lucratif, la FIFA, Pipion, qu'est-ce que tu dis? Bah pourtant. Attends, c'est à but non lucratif. T'as pas honte. Crois-moi que rien que. On va pas pouvoir les recevoir après. Ah oui, on peut pas recevoir Gianni Infantino, désolé. Les gars, Bruce, fais chier. Honnêtement, entre Sepp Blatter et surtout Jack Warner, là, il y a des sacrés gredins, crois-moi. Ouais, touche pas à Sepp Blatter, j'ai eu la chance de le voir, d'aller dans son bureau. Très très cool, Sepp Blatter. Ça aime vraiment la corruption ici. Quoi. Non, non, franchement, ça raconte qu'en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à une organisation très opaque des années 70 jusqu'au Qatar Gate. Comment est-ce que de l'attribution de cette collusion au Qatar, mais c'était bien avant, comment est-ce qu'il y a des liens. Ils expliquent tout dedans. Ils expliquent tout. Ouais. Honnêtement, c'est une très belle enquête et ça permet de comprendre un petit peu comment est-ce que la FIFA a obtenu cette réputation justifiée d'après ce qui est dit. Et franchement, il y a des explications qui sont très très claires sur comment est-ce qu'ils en sont arrivés. Ouais, ça me fait penser, Bruce, le mec qui t'avait remis ton trophée là, quand t'avais gagné la Coupe du Monde. Le mec, en fait, quand tu gagnes la Coupe du Monde, en fait, pour expliquer, pour resituer, quand tu gagnes la Coupe du Monde, donc t'es invité au Ballon d'Or et tout, et j'avais été à la FIFA et tout en Suisse, Blatter et tout, il t'accueille dans son bureau et tout, donc ça vient de là. Et en fait, celui qui m'avait remis le trophée, c'était un mec de la FIFA, un mec qui avait une barbe énorme, on aurait dit le Père Noël en fait. Et le mec, il m'avait remis le trophée, machin, ok, très bien. Et c'est 2-3 années quelques plus tard. Quelques années plus tard, ouais. Je vois, ça fait la une de partout et tout. Le mec était infiltré à la FIFA, c'était un mec du FBI. Et du coup, en fait, s'il faut, ça enquêtait même sur moi, je sais même pas. Alors, j'ai rien à voir dans les ça. Le mec, en fait, il était infiltré à la FIFA, c'était un mec du FBI. Mais Bruce, tout va bien. Son témoin numéro 1, moi, je suis en taupe avec lui, je lui serre la main, les machins et tout. Non, mais c'est ouf quand même, quand j'ai vu sa ganache, parce que le mec, tu le vois, il y en a pas deux comme lui, je le reconnais direct. Quand j'avais vu sa ganache, j'ai fait oh non non non. En fait, tu vois Bruce avec le, tu vois le mec lui remettre le trophée, Bruce qui lui serre la main, et quelques années après, tu vois le mec avec sa grosse barbe et tout qui fait la une, genre infiltré du FBI, c'était un truc de très fou. Drôle. Ah, l'anecdote est très très drôle. Et puis je termine sur forcément un bonus en le faisant, bonus, en faisant une petite imitation. Ouais. Braque, muscle tes pronos, muscle tes pronos, sinon tu vas au-devant de grandes déconvenues. Évidemment, celui qui est originel. Franchement, quel plaisir de le revoir avec toutes les Chuck coulisses. Chuck Blazer, exactement. Ouais, toutes Chuck les coulisses Blazer. Qui sont fantastiques. Et voilà, ça permet de resituer un petit peu l'aventure de 90. Donc si les plus jeunes ne l'ont pas vu, allez voir parce qu'il y a tellement de séquences cultes. Voilà. C'est à voir et pour compléter, je pense que si c'est possible de le retrouver, le documentaire qu'avait fait Grégoire Margoton aussi, je ne sais pas si tu te souviens, justement sur l'épopée des Bleus, Les yeux dans les Bleus, c'est le classique, hein, forcément il est incroyable, mais Margoton, il t'avait refait en fait un peu toute la trame de la France à la Coupe du Monde et finalement en fait tu avais l'impression de redécouvrir encore la Coupe du Monde avec lui, donc franchement je trouve que les deux ça va. Mais c'est ça vrai qu'il y a des très bons docus, hein. Là il y a le truc sur Mourinho là aussi qui va arriver. Enfin il y a des trucs tu sais. Que c'est le truc sur City risque d'être incroyable, bah oui, surtout avec gros molleton et tout, et vu la saison, enfin, non, mais en vrai, c'est tellement un kiff quand ça laisse un peu les portes ouvertes. Bon, bien évidemment, tu vois pas tout, mais je trouve que t'as quand même pas, oui. Tu vois c'est quand lui, même pas c'est mal lui. De tout. Voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui, exactement, c'est lui. Ça. Exactement. Bien joué la régie. Bon, ça, bravo. Je te dis, quand tu le vois, bon, tu le reconnais très vite, hein. Ah oui. Bon, bah en tout cas, ouais, c'est la carte Visa. Il était bien infiltré, il était bon. Hein, parce que tu vois rien. Toujours le sourire, toujours bienveillant et tout pendant tout le truc. Moi, c'était mon pote. Non, en plus, ils servent de ça, ils servent de ce genre de truc pour blanchir la chose en vrai. Hein. Tu crois que c'est bon, juste lui, un il était là pour récolter plein de trucs, surtout sur la FIFA. Et quoi. Oui. Ça va, j'ai pas été contacté derrière, donc moi, je suis clean. Vérifie quand même tes mails, tes spams et tout. Messieurs, on passe au Pronogate. C'est parti. Alors, ça va aller très très vite. Je vous le dis, ça va aller très très vite. Hein. C'est simple puisque la semaine dernière, on a eu une sélection de matchs. C'était dernier. Non, je suis pas comme ça, moi. La semaine dernière, on a eu une sélection de matchs où on a pourri la même chose. Il y a juste Zal qui a tenté la Bosnie contre l'Ukraine. C'est le seul. Sinon, le My Match, personne l'a passé parce que tout le monde voyait la France s'imposer. Et c'est finalement l'Allemagne qui a gagné. Donc voilà, ça n'a rien changé au classement. Le seul qui a perdu un point, c'est Zal. Voilà, tout simplement. On peut même mettre le classement pour gagner du temps et avancer sur le Pronogate de cette semaine qui sera plus intéressant. Poineau, le classement il a enlevé le truc. Voilà, le classement qui ne bouge pas. Pipion, toujours premier. Dans un mouchoir de poche devant. Ah, c'est sérieux. Kanto, toujours deuxième. Bruce, troisième. Ouais, vraiment, le top 3 est très indécis pour le moment. Et donc, avec Zal, on ferme toujours la porte. En fait, il y a deux match quoi dans le match. Il y a les trois premiers qui se tapent pour la première place et les trois nullards derrière qui se tapent pour pas finir dernier quoi. J'ai pas entendu Poineau, hein, excuse-moi. Si tu peux répéter Poineau, j'ai pas entendu.
Ok. Pas de problème, pas de problème. Et on va bien sûr vous faire gagner donc des matchs pour aller voir le match entre le LOSC et le RC Lens. Ça va arriver très c'est rapidement. Beau, hein. Ce sera à la fin du Pro League. Franchement, un très beau match. Hein. Un match qui va derby mettre... du Nord, des places pour, franchement. Puis là, ça joue le haut de tableau. Bah, oui. Derby du Nord, complètement régaler, décisif. Les gars. Ouais, franchement, ça va être trop cool. Ça risque d'être un sacré match. Hein. Et pour les matchs de la semaine, là, on a du lourd. Là, on a du très, très lourd, messieurs. Lille-Lens, du coup, qui sera dans le Pronogate. Le Bayern contre le Borussia, alias le classiqueur. Manchester City qui va recevoir Arsenal. Le titre va clairement passer par ce match-là, c'est une certitude. Et la Lazio qui va recevoir la Juve. On découvre les pronos de chacun. Et il y a quand même pas mal de disparités. Côté Lille-Lens, il y a Scipion et moi-même qui voyons un match nul. Sinon, tous les autres, vous voyez Lille s'imposer. On a tout pareil, à part un match, moi ça m'arrange pas. Vous avez tous j'ai vu le nul, Lille Lens. Le Bayern, sauf Zal et moi, pour Manchester. Ah, une alarme. Poano. C'est quoi le projet? Une alarme. Ah oui. Faut quitter le bâtiment ou? Ah oui. Alors, vous le savez, messieurs... Non, faut pas quitter le bâtiment, faut rester là. Vous savez, messieurs, que cette saison, on a instauré le Joker. Et donc, je sors ma carte Joker cette semaine. Ah, mais j'avais oublié ce truc-là. Je sors ma carte Joker, messieurs. Et vous allez le voir, d'ailleurs, même sur le My Match. Deux fois, ça fait combien? 2 x 0? Alors, j'ai plus la règle. T'es un gamin, toi. Bah, tu vas doubler 0. Alors, si jamais je passe mes points... c'est le My Match, hein, c'est ça, un point noir. Non, c'est tout. Et même les pronos. C'est le total. Donc, je double mes points. Voilà, tout simplement. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai quand même pris pas mal de risques. Hein. Par contre, il y a un truc où on n'a pas pensé, genre... Ah bah non, ils pourront pas te trouver. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que ce qui peut être marrant, c'est si jamais le chat, il trouve pour le Pronogate, il tombe sur toi, bah ça double le Pronogate aussi pour eux. Ils prennent aussi. Eux, du coup, ils pourront à chaque fois, s'ils trouvent celui qui a doublé, ils pourront faire un hold-up. Tu vois ce que je veux dire? Bah, le FC Gaz. Ils peuvent le faire sur nous tous. C'est ça. Donc en gros, le FC Gaz a l'occasion de choisir mon My Match. Alors il n'est pas révélé, bien entendu. Là, vous allez devoir choisir le FC Gaz, bien entendu. Le premier voit le PSG s'imposer et gagner les demi-temps. Le deuxième voit juste le PSG gagner les demi-temps, ce qui fait une cote à 5,60. Donc, on vous rappelle qu'une cote à plus de 5, ça fait 3 points. Cote à minimum 3, ça fait 2 points. Il y en a un qui voit des scores, que des scores. Un autre qui voit le PSG s'imposer, les deux équipes marquées. Et les deux autres, d'ailleurs, cote à 3,40. Non, il y en a un, c'est PSG gagne les demi-temps. Oui, c'est ça. Le premier, ouais. Messieurs, vous choisissez votre My Match pour le FC Guez. On est en train de vous faire voter. Et c'est donc le quatrième My Match qui est devant. C'est serré. Poinot me dit que c'est très serré dans l'oreillette. Attention, il reste plus que quelques secondes. Je regarde. Ah bah attends, je l'ai sous les yeux. Ah ouais, c'est très très chaud entre deux My Match. Ouais, on est sur un 30-30 là. Ah, attention. À un vote près, ça se joue à un vote près. Et c'est donc le premier My Match qui est choisi, c'est le My Match de Zal. Voilà. Tant mieux, dehors. On a tout pareil à part un match, nous. Je peux pas revenir, ça me saoule. Voilà. Donc messieurs, on vous fait gagner donc des places pour aller voir ce match-là, des places pour deux. Vous avez toute l'expérience, hein, bien entendu. C'est vraiment des places très, très premium. Vous allez être en salon et tout, donc franchement, vous allez vous régaler. Évidemment, assurez-vous d'être bien disponible pour aller voir ce match-là. On vous envoie la question sur le chat. La question est très, très simple. Le plus rapide à répondre. C'est bon, la question est partie? Très bien. La question, c'est avec combien de buts Jonathan David est donc second meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats? Voilà, le plus rapide repartira avec les places. C'est bon, on a un vainqueur. Poano, la bonne réponse, c'était 15. Et c'est Guez fidèle. Guez fidèle. Je suis content pour lui. Il est fidèle. Moi, je l'aime c'est bien. C'est qu'il est là. C'est un vrai. Guess fidèle, tu vas donc partir avec la personne de ton choix, assister à cette rencontre. Tu vas être contacté, bien sûr, par nos soins. Et bah, bravo à toi, parce que c'est un très, très beau cadeau. Nous, on va récupérer entre-temps Yous, qui va revenir, puisqu'on va lancer une nouvelle séquence, encore une fois, qui s'appelle le Player Pick. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le concept. On a d'ailleurs même des ardoises, on a des petites enveloppes avec nous aujourd'hui. Franchement, on a bossé hein, pour cette émission. Ça, on a bossé dur. Hein. On a bossé très dur, mais on va pas se mentir. Je suis fatigué tellement j'ai bossé, moi, aujourd'hui. On n'a rien inventé, hein. Vous connaissez déjà le concept. En gros, c'est le sell one, bench one et keep one. Donc, en gros, garde-en un, vends-en un et mets-en un sur le banc. Vous connaissez, vous avez déjà vu passer ça sur Twitter. Et on s'est dit qu'on ferait ça dans l'émission. Et que ça pouvait être sympa. Donc du coup, Poano, c'est toi qui gères. Ça sent le fiasco. Poano ? Ouais, salut les gars. Salut à toi. Salut. Normalement, on va m'entendre sur le chat aussi.
Ah bah oui, dans l'émission même, hein, sur le live. Hein. L'émission a commencé là ? L'émission a commencé. Attends, parce que Yous, il n'est pas revenu. Hein. Ouais, mais on peut commencer au pire, on commence pas grave. Oui, Yous prendra la deuxième. Hein, exactement. Pire, hein. Du coup, les gars, là, vous avez trois enveloppes avec trois numéros. Okay. Juste, je vous demande juste de vous accorder et commencer par le numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1. Exactement. Donc, si vous pouvez juste ouvrir l'enveloppe et me dire quel joueur vous trouvez. Là, du coup, vous avez qui comme joueur là ? Benzema, Mbappé et Henry. Ok, du coup, on est sur le premier où en fait, moi je vais vous afficher là. Et franchement, c'est tout pour nous niquer. Donc là, c'est un concept, c'est très facile. Vous avez start, bench et sell. Start, c'est le joueur que tu fais débuter. Pour ceux qui ne parlent pas anglais dans le chat, hein. Bench, c'est celui que tu mets remplaçant et sell, c'est le joueur que tu vends. Voilà. En face, Braque, tu peux montrer ton ardoise et en fait, vous allez devoir classer ces trois joueurs là. Il nous envoie. Okay. Exactement. Et du coup, vous avez de la pâte à fixe, etc. Et de la pâte à fixe. Et juste classez-moi les joueurs. Et après, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez en parler, etc. Ok, ok. Bah écoute, on peut y aller. C'est dur en vrai. Hein. Là, le choix est très, très dur. Hein. C'est surtout qu'il y en a deux qui ont fini leur carrière. Ou Benzema, on est sur la fin. Ouais. Et t'as Mbappé qui l'a pas fini. C'est ça le problème en fait. Ah, c'est difficile, hein. En vrai, c'est... C'est très difficile. Moi, j'ai fini, par contre. Là, il est super dur. Moi, j'ai fini. Bruce, t'as fini ? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous montrer, là ? Attends, parce que moi, j'ai pas fini, perso. Non, mais peut-être tu peux montrer en attendant. Vas-y, ouais. Je montre ou pas, Poinot ? Vas-y. Alors, on start le Nueve. Non, c'est celui pour qui j'ai la plus grande sensibilité foot. Ça pue le football, sa première prise de balle, etc. Moi, je l'ai toujours dit, Benzema, je suis un grand fan. Donc, moi, à choisir, je prends Benzema en premier. En deux, Titi Henry. Bon, il a tout gagné, mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi, Mbappé, c'est en dernier, pour la bonne et simple raison, qu'il n'a pas encore fini sa carrière. Et voilà, si on refait la même chose dans 5 ans, peut-être que Mbappé sera plus haut dans la hiérarchie. Mais là, à l'heure actuelle, etc., et en termes de sensibilité foot, je choisis Benzema, en tout cas, en start, bien évidemment. Ok. Vas-y, Pipion. Non, attends, j'ai encore un doute. Vas-y, Braque. T'as encore un doute ? Bon, bah, j'y vais, moi. Alors, en start, je mets le Kix, hein, parce que le Kix, c'est un prédateur, c'est un joueur rare, c'est des joueurs... C'est des joueurs, t'en as une fois tous les 30-40 ans. Donc moi, j'envoie Mbappé. En bench, sur le banc, je mets Thierry Henry quand même. Hein, parce que Thierry Henry, c'est le cœur. C'était un de mes attaquants préférés à l'époque quand j'étais plus jeune. Donc je le garde quand même sur le banc. Et Benzema, je vais pas faire le mytho. Hein, moi, Benzema, je suis un gros fan du joueur. En fait, je suis un gros fan de ce qu'il est devenu. Ça se voit. Hein. Non mais attends, Bruce, on explique les choses. Je suis un gros fan de ce qu'il est devenu. Mais j'avais beaucoup de mal avec Benzema au début. Après, il a convaincu tout le monde, il a gagné un ballon d'or. Sell, c'est très difficile. Hein, le concept te dit de le vendre. C'est, en vrai, c'est en, terrible. En vrai, Benzema, je ne le vends pas. Tu vois, je le vends pas. C'est juste que voilà, je le mets numéro 3 dans la hiérarchie parmi les 3. Mais comme j'ai eu un problème avec lui au début, problème que j'ai moins eu avec Mbappé et Henry, je l'ai mis numéro en 3ème. Mais voilà, c'est pour moi. C'est Pion, t'es prêt ? Ouais, allez, on y va. Let's go. Du coup, j'essaie de réfléchir. Forcément, Mbappé, je le mets en dernier comme Bruce parce que je trouve que c'est pas trop logique de comparer les joueurs, tu vois, par rapport à ses accomplissements en carrière. Dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, comme le disait un certain chanteur. Tu penses qu'il y aura encore hors-jeu dans 10 ans ? Je sais pas. Le mec qui casse l'ambiance. ça, je sais pas. J'essaye de comparer aussi ce qu'ont pu faire Henry et Benzema. C'est vrai que par rapport à ses accomplissements en club, je mets forcément Benzema devant. Il a pas eu de chance dans son histoire en sélection. Mais par rapport à ce qu'a pu faire aussi Henry avec les Bleus, le fait d'avoir été aussi performant, à l'époque aussi dans une première ligue qui était quand même très très relevée, avec notamment le Manchester United de Sir Alex, un Liverpool, un Chelsea qui montait en puissance, tout ça, j'ai quand même tendance à mettre par rapport à ce qu'il a pu faire Henry, mais au départ j'avais mis Benzema et puis j'essaie de voir celui qui a pu faire. À toi, Pipion. Bah, c'est compliqué en vrai, j'hésite. Je comprends, tranquille. Très bien. Et Yous, du coup, pour finir, est-ce que tu as pu déjà faire ton choix ? Alors ouais, j'ai dû aller très vite. Voilà, Yous. En vrai, il n'y a que Braque qui a mis en start. Alors, le chat aussi, exactement. Ils ont mis KB9 en start. Hein. Voilà. Ah, tu vois. Non, mais et puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Karim qui a su se renouveler en tant que joueur, en tant qu'homme au Real. C'était compliqué au début. Pour ceux qui l'ont connu à ses débuts à Lyon, c'était pas du tout le joueur qu'il est ensuite devenu. Et il y a cette évolution qu'il a eue dans cette carrière, cette façon de se mettre au service de Ronaldo qui a été le plus gros concurrent de Messi sur une période et qui a joué
quasiment toute sa carrière avec Benzema. Je pense qu'on peut imaginer ce que c'est de jouer avec un joueur pareil. Et puis voilà, il a su se renouveler il y a quelques années alors qu'on pouvait penser qu'il était fini. Ramadan Benz l'année dernière qui nous a fait rêver. Donc voilà, moi je suis obligé de start Benzema, même si effectivement c'est un dilemme quand même. On parle de Thierry Henry qui a des accomplissements qu'on ne cite plus à Arsenal, qui est juste incroyable. Et puis c'est pas contre vous les Parisiens, désolé, mais Kylian, on attend un peu avant de pouvoir te comparer à des légendes pareilles, même si effectivement il est sur le chemin de dépasser les deux, hein, clairement. Bon, bah très bien, on passe au deuxième. Et c'est trop marrant à faire en vrai. Hein. Et pour info, le chat, ils ont comme Youss et Bruce, à savoir Benzema titulaire, Titi sur le banc et ils vendent de Mbappé. Juste dites-moi le 2, vous mettez sur le numéro 2 du coup ? Ouais. Alors le 2, on a Salah, Mahrez et Mané. Salah, Mahrez et Mané, pas évident. Hein. C'est pas sympa. Ouais. L'odeur du sang. Salah, Mahrez et Mané. Youss, attention à ce que tu fais, Youss. Ok. Bon courage. Ouais. C'est dur ce truc quand même. Hein. En vrai, c'est chaud. Je pense qu'il y en a un qui moi, est facile. Moi, c'est sur le choix entre 2 et 3, c'est choix. Complexe. Ouais, exactement. Exactement. Braque, toi aussi, attention, hein, ça va te retrouver. Oh, ouais, je sais. Si tu fais une bavure, Braque. Moi, je suis déjà prêt. Hein. Comment il s'appelle, le président sénégalais, déjà? Vas-y. Il s'appelle Bassirou Ndoye Faye, ou un truc comme ça. Je sais. Vas-y, Braque, fais ton rêve. Bon, j'ai hésité, mais j'ai pas hésité longtemps. Je commence avec Mané. Je commence avec Mané parce que c'est un joueur. Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup subi, en tout cas côté Liverpool, qui pourtant était ultra fiable. Et qui a quand même pas mal souffert de la comparaison avec Salah, alors que finalement c'était un trio. Mais moi Sadio Mané, je le mets en 1 parce que il a eu aussi sa période où même on parlait de Ballon d'Or pour lui, il s'est rapproché du Ballon d'Or. Donc oui, on peut s'offusquer sur le chat, mais pour moi Mané, ça reste un des joueurs qui m'a fait en tout cas kiffer ce Liverpool là. En bench, bah je mets Salah, mais en fait pour moi c'est presque kiff en vrai, parce que Salah, je me souviens très bien de la saison où il finit à plus de 30 buts, mais je m'en fous les gars, vous pouvez me dire catastrophique ou quoi, je m'en fous. Il a dit bref, c'est mon choix à moi. Pour prendre son classement à l'envers. C'est mon choix à moi, voilà, c'est tout, je me comprends et puis je m'en fous de savoir ce que vous pensez, c'est moi qui choisis. Il faut défendre ses idées. Exactement, je défends mes idées. Et ensuite en bench, je mets donc Salah parce que il y a quand même sa saison à plus de 35 buts, encore une fois, comme je le disais, où je l'avais trouvé juste exceptionnel. Et en selle, Mahrez, parce que moi, je trouve que les deux autres sont quand même peut-être au-dessus de lui, même si c'est un joueur que je respecte beaucoup. Mais voilà, je mets Mahrez. Je vends Mahrez. Ok, top voilà. Déjà. On enchaîne avec qui, les gars? Vas-y, Youss. Alors, pas trop de suspense pour le start. Pour moi, il n'y a aucun débat. Pourtant, c'est un Algérien qui parle. Je pense que sur les accomplissements et puis sur le niveau de jeu qu'a atteint Salah, s'il n'y avait pas eu deux extraterrestres pendant quelques années qui jouaient au même sport que lui, clairement, il aurait pu prendre plusieurs ballons d'or. Le niveau qu'il a atteint sur plusieurs années, c'est juste stratosphérique. Il est rentré dans l'histoire de la Première Ligue. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à raconter. Vous le ferez aussi bien que moi. J'ai choisi... Alors, il y a eu un long débat. J'ai essayé d'être objectif. On pourra me dire que Sadio a des accomplissements, Riyad aussi, mais j'ai mis en tout en haut, et je laisserai d'autres apporter hein. D'autres arguments tout en haut, ce qui s'est passé avec Leicester. Putain. Et pour moi ça fait clairement la différence, voilà. Très bien, vas-y Scipion. J'ai le même que Youss. Pour moi, Salah est au-dessus par rapport aux deux dans son histoire avec la Première Ligue. Le fait d'avoir été aussi super en débarquant à Liverpool et d'avoir une histoire aussi conséquente. Même raison que Youss, Mahrez, c'est pas que City. Je n'oublie pas que Leicester, c'était un des hommes déterminants du titre avec Engo Kanté, Jamie Vardy et toute la bande de Claudio Ranieri. Et ces années à City, même si de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des passages par le banc, mais ça a toujours été un joueur régulier qui a quand même aussi apporté en Ligue des Champions, qui a fait son histoire. Et c'est très très dur de mettre ça
Mané derrière, parce que lui aussi, il a découvert à Southampton le fait d'avoir été un élément clé de ce Liverpool-là qui a atteint des sommets. Franchement, ça me fait la peine. Et surtout qu'en plus, contrairement à Salah, en plus, les deux, ils ont su remporter la CAN avec leur équipe et leur portée. Mais voilà, il fallait trouver un dernier. Mais je pense que la saison à Leicester de Mahrez fait la différence pour moi. Ok, très bien. Sachant que le chat, là, ils choisissent Mané sur le banc. Okay. Et Bruce, je pense qu'encore une fois, tu vas être d'accord avec ton chat. Ouais, alors là, pour le coup, j'ai beaucoup hésité. Alors pour moi, le meilleur intrinsèquement, c'est Salah. Je n'ai pas eu d'hésitation pour lui, parce qu'à chaque fois, ça fait X années qu'il fait partie des tout meilleurs joueurs au monde. Alors après, pour le bench, j'ai beaucoup hésité. Parce que j'ai pensé à Leicester, j'ai pensé aussi à la CAN, etc. Et c'est vrai que quand tu prends les faits d'armes des deux joueurs, il y a eu des choses au plus haut niveau, que ce soit Ligue des Champions, CAN, etc. Donc c'était même dans le championnat anglais, bien évidemment. Mais vas-y, j'ai voulu quand même mettre Mané parce que je me dis, allez, le trio légendaire peut-être avec Salah, Firmino, et il a quand même fait de très bonnes choses. Il a été régulier à Liverpool. Enfin, ça fait partie de l'attaque légendaire. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement quand même pour Mahrez. La vérité, pour moi, c'était presque du 50-50. Bah, vas-y. C'est pas évident. Hein. J'ai penché un peu pour Mané, mais pour moi, là, c'était vraiment dur de trancher, ouais. Ok, et mais si on passe au troisième du coup. Le dernier, bon courage. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oula. Il nous a dit bon courage, c'est le pire à choisir du coup. Attends, je ne l'ai pas vu. Dites rien. Hein. Bon courage, c'est pas simple, les gars. Ouais, mais là, il y a des rôles différents. C'est dur ce que tu nous fais là. C'est le même club. Là, pour moi, il y a des rôles un peu différents. Yaya, pour moi, avec les deux autres, tu vois, c'est pas exactement la même, c'est... non ? Moi, je trouve que c'est dur, là. Waouh. Ouais, c'est dur de ouf. Pas sympa. Là. Franchement, c'est compliqué. C'est pas sympa. Je réfléchis depuis hier soir, j'ai toujours. Ouais, mais Yaya, pour moi, c'est pas le même. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Il aurait pas dû être avec les deux autres, à mon sens. C'est là où ça nique tout. C'est pour ça que c'est dur, là, non ? Bah, tu peux prendre qui a le plus marqué le club dans l'histoire. Tu vois, même si c'est pas vraiment là, le même c'est rôle. Par rapport à City là. Tu peux l'aborder non, comme ça, c'est notre truc, ouais. C'est ta tu choisis ton nom, tu vois. Exactement. Putain, Silva, moi j'adore, c'est terrible. Ah, c'est mon joueur préféré. Non, Silva, c'est pour moi il est sous-coté ce mec là, c'est un crack, c'est dur. Ouais. Ouais. Vous voulez y aller, les gars ? T'hésites encore ? Tu veux y aller, Braque ? Vas-y, toi. Moi, je suis chaud. Hein. Moi, allez. Moi, ça me fait mal au cœur, putain. Bon, De Bruyne, hein. En start, parce que De Bruyne, c'est franchement, dans la discussion, c'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Et je pense même que quand on fera les débats sur les plus grandes légendes de ce championnat, je pense que De Bruyne reviendra tout le temps. Et il reviendra, je pense, très, très haut. Ce qu'il fait à City, c'est assez fou. Et en plus... Il y a cette Ligue des Champions voilà, qui vient un peu couronner ça, en plus des titres qu'il a gagné avec cette équipe. Donc De Bruyne, c'est vraiment City en fait. Quand tu penses à City, tu penses à De Bruyne parce que c'est vraiment le joueur qui fait toujours toutes les différences. En bench, je mets Yaya Touré parce que quand tu penses à un club, finalement, quand on parle d'un club et pas forcément d'un championnat ou quoi, on pense à ce que le mec il laisse, la trace que le mec laisse dans le club, et c'est pour ça que je mets quand même Yaya Touré devant David Silva, parce que Yaya Touré, il y a quand même énormément de moments forts. Le mec en fait savait tellement tout faire que finalement c'était un joueur total, c'était un joueur qui était capable de marquer des buts, c'était un joueur qui était capable d'avoir ce leadership en fait, de tirer cette équipe vers le haut, d'avoir tellement de qualité que le joueur était tout simplement incontournable, et je pense que voilà, il a laissé une empreinte à City. C'est pas un joueur que tu oublies. Et David Silva, moi j'ai en plus encore une fois, le sel, c'est à contre-cœur. Mais moi, j'étais un gros fan de ce joueur quand il était à Valence. En tout cas, quand il commençait. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, David Silva, c'était un de mes joueurs préférés. Et j'étais très content de voir ce qu'il a pu faire à City, de voir l'importance qu'il a pris côté City. Mais impossible de le mettre devant Yaya Touré et De Bruyne, ne serait-ce que cette trace que ces deux-là ont laissé. De Bruyne joue encore, on laissé dans ce club, donc voilà pour mes trois. Voilà.
Vas-y Bruce. Oh, le silence à chaque fois. Après, les gars, vous allez me casser les couilles, mais j'ai pas pu trancher entre les deux autres parce que pour moi c'est pas exactement le même rôle. Je peux pas trancher. Je peux pas. C'est impossible à trancher. Pour moi, Yaya Touré il doit pas être là. Qui est David Silva avec De Bruyne, je peux l'entendre, mais Yaya Touré doit pas être là. Et David Silva, pour moi, craque. Enfin, Valence, Espagne, City, tout ce qu'il a fait, il était trop fort. Il a gagné tellement de choses. Pour moi, trop compliqué. Le chat est déçu. Hein. Non, mais parce aussi. Que le rôle, je peux pas. Je peux pas. Je vais mettre De Bruyne donc en start parce que voilà, c'est De Bruyne et tout. Mais en vrai, il y a d'autres cracks derrière, comme j'ai dit. Il y a des rôles un peu différents. Mais vas-y, De Bruyne. Parce que voilà, le mec, quand il n'est pas blessé, qu'il est à 100%, enfin, c'est incroyable le game changer que c'est. Et les deux autres, dans un rôle un peu différent. Bon, il y a Touré, le box-to-box parfait, le mec qui sait tout faire, qui a du ballon, qui peut gratter les ballons, qui peut mettre des buts aussi. Un monstre. Et puis David Silva, un créatif de taré, un mec qui sent le jeu, la qualité de passe, tout ce que tu veux. Voilà, les joueurs espagnols, on a l'habitude. Mais comme j'ai dit, c'est des rôles pour moi différents, donc je ne peux pas trancher entre les deux. Ok. Parfait, parfait. Scipion, on enchaîne. J'ai le même que mon ami Braque. Parce que premier, on parle du meilleur passeur, je pense, de l'histoire de Première Ligue dans ses accomplissements. J'oublie pas aussi, même s'il se blesse en finale contre l'Inter, ce qu'il réalise au tour d'avant contre le Real, quand son équipe est en difficulté, Bernabeu, qui c'est qui égalise, c'est lui. Ouais. Donc c'est aussi, tu vois, l'impact Ligue des Champions, je peux pas le mettre de côté, même si évidemment, City, c'était pour Yaya Touré, David Silva, au départ de la construction de cette très très belle équipe. Yaya Touré, David Silva, c'est extrêmement dur de choisir, mais par rapport à ce que Yaya Touré a su faire, notamment forcément les saisons où quasiment il candidatait au titre de meilleur buteur avec les Agüero, les Rooney, les Van Persie, etc., tellement il était facile à certains moments, le fait que voilà, c'était un joueur qui a marché sur la Première Ligue, qui a un impact assez dingue. Et voilà, moi j'ai essayé de choisir, ça me fait très mal de devoir vendre David Silva, parce que pareil, comme tous autour de la table, je pense que c'est un joueur que j'adore, très beau joueur. Un très très fin technicien. Mais voilà, on est là pour trancher. Mais on sait bien que le sel, hein, dans nos esprits, c'est pas vendre, hein, c'est juste numéro 3. Ah si, c'est bon. Non, moi, je les vends jamais, moi, en vrai. Moi, je suis chier ce concept. Je suis pas très original, du coup. Le même que mon ami à ma gauche et à ma droite. Que dire de plus que ce qui a pu être dit, si ce n'est que, ouais, pareil, David Silva, c'était un de mes joueurs préférés quand j'étais jeune. Mais je pense qu'effectivement, il faut être lucide. Il a été, tu vois, dans l'ombre de Yaya Touré sur la période de Yaya Touré, il a été dans l'ombre de Kevin De Bruyne dans la période de Kevin De Bruyne, donc ça aide un peu à trancher, même si c'est un joueur magnifique. Il va dans l'ombre, t'es dur. Bah, si tu devais en mettre un il devant, avait un c'est un rôle plus haut. Non, mais oui, toi, t'as du mal à choisir entre les deux, mais si tu dois choisir en mettre un devant. Un autre rôle, il était ouais, trop impactant. Celui qui a apporté le plus de lumière, c'était quand même Yaya à l'époque. Moi, Silva, franchement, les gars, vous. Non, mais moi, je viens de te dire que c'était mon joueur préféré, Silva, donc c'est pas dans ce sens-là. Et puis, ça nous fait mal de le mettre, mais bon, c'est le jeu, faut choisir. Et Kevin De Bruyne, ouais, comme ça a pu être dit, meilleur passeur de la Première Ligue. Et puis le visage de City que City a sans lui, c'est impressionnant. Son retour là, encore quelques semaines, ça nous a rappelé quel joueur il était. Puis à Touré, je citerai notamment sa saison où il met 75 buts en Première Ligue. Et c'était du grand n'importe quoi. 75 mais non 76, mais non ouais. Mais voilà, et après c'est voilà, il est dans le rouge, on le sait, mais on l'aime bien quand même, hein, t'inquiète. Mais non, mais on vend Bruce. Personne, on vend personne, c'est juste un les concept. Gars, c'est pas que je joue pas le jeu, c'est que pour moi tu il y a deux, il régler ses comptes avec le il y a deux mecs, il y a deux mecs que je peux comprendre, et encore ils sont même différents, David Silva et De Bruyne, mais je peux comprendre un peu la comparaison. Allez, Yaya Touré, pour moi il a rien à faire avec les deux autres, c'est pour la bonne et simple raison, terminé, c'est de Allez. La logique pure. Merci les gars, merci. Si ça vous a plu, on en refera. Oui, on va en refaire. Ouais, bah, évidemment tu c'est bien. Les cerveaux fument après ce genre de séquence. Messieurs, on passe à la Ligue 1, jingle. On va prendre juste quelques minutes, hein, histoire de faire le point, vu qu'il n'y a pas eu de match ce week-end, on est en période de trêve, donc c'est l'occasion tout simplement de regarder un petit peu ce qui va se passer en cette fin de saison. Juste avant, je vous donne le programme pour justement la prochaine journée, ce sera la J27. On vous rappelle, je l'avais fait déjà, hein, sur la première émission, mais ça commencera donc le 29 mars avec un Lille-Lens. Lille-Lens, on vous a fait gagner des places tout à l'heure. D'ailleurs, le 30, le samedi, on aura bien sûr ce Lyon-Reims, gros match test pour l'OL, et puis dimanche, 15h, Nice qui affrontera Nantes, Strasbourg qui affrontera le Stade Rennais à 17h et l'OM qui recevra le Paris Saint-Germain. Le classique, bien entendu, 20h45 dimanche, le rendez-vous est pris, messieurs. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un petit peu vos prédictions. Alors, c'est vrai qu'on les a fait en début de saison, mais en début de saison, évidemment,
t'as pas toutes les données, t'as pas tout le matériel pour pouvoir savoir véritablement ce qui se passe et t'as pas les mêmes dynamiques. Là, comme on a un petit peu plus d'éléments, comme on a un petit peu plus de billes, on va vous proposer chacun notre tour, notre classement pour ce sprint final. Bruce, on va commencer avec toi. C'est tellement dur. Justement. À la fin, j'ai mis quasi au pif, c'est tellement dur. Là, on se fait du mal. Question très simple, qui va finir dauphin du Paris Saint-Germain? Qui va aller en Europe? Donc, qui va terminer 2, 3 et 4e, voire même 5e? Et qui sera donc relégué 16, 17, 18? Paris en 1, après ça m'a fait mal au cœur. Paris, on aurait limite Brest, enlever, en vrai. Brest en soi, je pense qu'ils vont être collés, ils peuvent faire 5, ils peuvent même faire 4, même peut-être 3, j'en sais rien, parce que sur leur calendrier, etc., je me dis, ils ont un coup à jouer, mais bon, voilà, ils vont peut-être perdre quelques points, mais ça va tellement être serré, je pense, à la fin. J'ai mis Monaco en 2. Parce que voilà, Monaco, j'ai le sentiment, pareil, en regardant le calendrier, c'était peut-être pas ceux qui avaient le calendrier le plus compliqué. Il y a des matchs pas simples et tout, ouais. Mais j'ai l'impression que c'était peut-être plus dur. Plus accessible. Autre part, Lille, j'ai hésité, parce que mine de rien, il y a un parcours peut-être en Coupe d'Europe qui se profile. Après, là, ils sont tombés contre Aston Villa, donc ça va peut-être pas s'éterniser, mais tu vas y laisser peut-être des forces contre eux aussi. Donc, à voir autour. J'ai suivi ma logique par rapport au prono, parce que je voulais mettre match nul entre Lille et Lens, mais je voyais Lille peut-être battre Lens et du coup faire un petit écart. Donc c'est pour ça que j'ai mis devant Lens, mais je sens Lens bien finir la saison aussi. Et puis voilà, mais honnêtement, j'ai regardé un peu les calendriers, j'ai regardé les écarts de points, un peu la forme des équipes et tout. C'est tellement dur, à l'image de notre Ligue 1 cette saison, ça va tellement être serré entre pas mal d'équipes. Et pour moi, Brest peut très bien finir aussi, même 3e, 4e sans souci, franchement. C'est un peu pouf, j'ai fait, hein, je vais pas te mentir. On les a, les calendriers, on pourra les regarder, mais c'est vrai que celui de Monaco, pour le coup, si tu te projettes en mode sprint final, c'est peut-être l'équipe qui, normalement... Ouais, s'ils respectaient vraiment leur rang, c'est l'équipe qui a un coup à jouer. Monaco va aller à Metz, va recevoir Rennes, ça va être un match intéressant, va aller à Brest aussi, va affronter Lille, et après derrière, t'as Monaco... Pardon, t'as Lyon, t'as Clermont, ils Montpellier ont une fin. Et Nantes. En gros, t'as une fin. Voilà, t'as une fin sur le papier où normalement tu peux faire du 9 sur 12 ou voire du 12 sur 12. Enfin, si jamais tu respectes ton rang. Donc, à voir, mais c'est vrai que le calendrier est quand même. Mais les calendriers de ceux qui jouent l'Europe, ils les vénèrent la plupart. Hein. Ouais. Lille, Lens, ouais. Tout Lille ça. Lille et Lens, c'est pas évident. Il y a des matchs. Marseille. Marseille. C'est pour ça que c'est trop dur à lire. Hein. Tiens, Yous, on va regarder ton classement à toi. Ouais, qu'est-ce que tu nous as proposé? Non, tu me mets la transition. Je me prépare parce que le chat va me tomber dessus. Ah, mais le chat, il est chaud en plus. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Paris, pas champion. On a été d'accord sur ça là, donc ça va. Moi, j'ai Marseille. Je veux juste commencer par le bas. J'ai pas mis Nantes. Je pense que, voilà, à la faveur. Tu les vois quand même se maintenir. À la faveur de l'arrivée de Comboiré, je pense que peut-être qu'une bonne dynamique peut s'enclencher. En tout cas, il y a le matériel pour se maintenir. Ouais, clair et net. Tu vas avoir raison. Non. Ah, mais vraiment, quand tu vois, je regardais encore l'effectif l'autre jour. Non, mais il y a ce qu'il faut pour se maintenir normalement. Et puis, il ne devrait pas être à cette place. Ouais. Et le Havre, je les sens moins bien sur les derniers matchs. J'ai peur que la tendance continue à être négative. Et pour le plus haut, Monaco, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils ont le calendrier le plus abordable. Mais la dernière journée de Ligue 1, je pense que c'est une bonne leçon. Et puis, Monaco est capable de perdre des points. Ils perdent des points contre Lorient. Lille aussi a perdu des points à Toulouse. Enfin, voilà, toutes ces équipes perdent des points dans n'importe quel match. Et les calendriers, effectivement, vont être compliqués pour tout le monde. Mais je pense que l'avantage de Marseille dans ce sprint final, c'est que Marseille a entre guillemets son destin entre ses mains, car l'OM va jouer Lille, l'OM va jouer Lens, l'OM va jouer Nice, donc l'OM va pouvoir confronter ses équipes. Non, mais du coup, c'est pas fait, hein, mais voilà, je pense que avoir ces matchs à 6 points, c'est peut-être mieux que de suivre ses adversaires. Franchement, c'est incroyable, je trouve, vu le calendrier, la Coupe d'Europe, ça serait énorme. Non, mais j'y crois. Non, c'est pas impossible, mais si jamais c'est le cas, moi, franchement, respect. Le cœur qui a parlé là. Un peu, mais, ouais, mais franchement, peu. Tu regardes, comme je vous le dis, hein, tu vois, Monaco perd des points contre Lorient, Lille, ouais. Lille c'est Lille Nice, non, non. Ils ont fait des nuls, des trucs à pas Lille, je le sortir. Bah, contre Brest, ils ont perdu à Toulouse. Ouais, et puis ils perdent deux heures à domicile, ils égalisent à la fin contre Rennes, je crois. Enfin, dans tous les cas, voilà, on voit que c'est trop indécis. Que, la vérité, c'est pile ou face. Donc, j'ai choisi Marseille. Et on fera des points mi-mai.
Il y a pas de souci, les amis. Tu t'es dit, vas-y, je vais. Ah, mais après, je suis d'accord avec Bruce sur la tendance. Je pense que Brest va lâcher des points et va petit à petit. Mais honnêtement, moi, Brest, j'ai hésité fort. Comme j'ai dit, je pense vraiment qu'ils peuvent finir 3-4e. Ça me choquerait. Mais ils seront pas loin. Mais Brest, ils ont le calendrier et leur saison. Ils peuvent. Ils ont largement à quoi jouer. Pipion. Bah moi, je vois Brest. Moi, je vois Brest dans le top 4. Ouais. Hein, parce que même si ça fait que 1 sur 6 entre Lens et Lille, dans l'intensité, ils sont répondus présents. Ils sont toujours dans le coup. Tu vois, c'est pas une équipe qui commence à lâcher le truc. Ouais. Évidemment, c'est peut-être un peu moins flamboyant. Mais honnêtement, par rapport à ce qu'ils dégagent, toujours pas de blessés. Calendrier, somme toute, ils vont jouer pas mal de leurs rivaux. Il y a des matchs aussi à Leblay où ils sont très, très durs à aller prendre. Donc moi, franchement, Brest, j'y crois pour eux. Monaco, c'est difficile parce qu'on l'a vu, hein, et c'est tellement irrégulier. Mais comme d'hab, il y a un calendrier. Et normalement, sans Coupe d'Europe, il devrait avoir l'énergie pour. C'est ça, en fait. Mais attention, Lille, par rapport à ce qu'il dégage, et pareil, un calendrier qui peut s'ouvrir. Mais c'est sûr que là, tu dois écarter Lens, et qui pourtant a un calendrier qui me paraît pas trop mal. Ouais. T'as Rennes qui peut, en tout moment, refaire une belle série. Bon, Nice, personne n'en parle, mais tu vois, ils ont repris de la confiance à Lens. L'OM, je pense, justement, ça a pêché aussi par le calendrier qui, là, est très, très dur, je trouve. Mm-hmm. Après, pour la lutte du bas, c'est vrai que Metz et Clermont, pour moi, ça fait un moment, même si ça a gagné de tout. Trop faible pour la suite. Et Nantes, l'effet Comboiré, je veux bien y croire, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus malade et beaucoup plus profond chez nos amis les Canaries, donc je les vois barragistes. Ok, très bien. Je vous propose... En sachant que Clermont et Metz, Nantes a un calendrier compliqué, mais Clermont et Metz, c'est le même quasiment, c'est pareil. Hein. Sur les équipes mal classées, tu regardes le calendrier, c'est flippant. En fait, c'est la Ligue 1-18, comme j'ai dit la dernière fois, tout le monde a des calendriers, t'as l'impression de taré. Moi, messieurs, c'est simple. Bon, Paris en 1, bien sûr. Je pense qu'on était tous d'accord pour Monaco en 2e parce que y a quand même de la qualité dans cette équipe-là, même si tu vois bien que ça ne tient pas dans la durée, qu'il y a toujours des moments où Monaco nous surprend, mais dans le mauvais sens. Bah, ça reste quand même une équipe qui a les moyens d'aller chercher cette 2e place. S'ils se mettent en route et qu'ils décident d'aller la chercher, cette 2e place, franchement, elle leur tend les bras. Donc Monaco, je les vois bien 2e quand même. Je vois aussi Brest le faire parce que, franchement, une saison comme ça, c'est un petit peu comme toutes les belles histoires qu'on a. Et il y a un moment donné, en fait, ça te donne la force de conclure. Tu ne peux pas faire autant de chemin sans à la fin arriver à conclure. Donc je vois quand même bien Brest le faire. Et puis ils ont le jeu pour, finalement. Ils ont le jeu pour. Ils sont quand même assez costauds. Ça joue au ballon. Il y a de la confiance, mine de rien. Les résultats amènent de la confiance. Donc je pense que cette équipe en a emmagasiné assez pour pouvoir aller au bout. Et puis, je vois quand même Lens, parce que Lens, il y a aussi pas mal d'expérience. C'est vrai que ça enlève Lille. Nice, on les a perdus de vue un petit peu, donc j'y crois plus trop. Mais Lens, je pense qu'ils sont capables de faire cette fin de saison un peu en trombe. Il y a eu, c'est vrai, des échecs cette saison. Il y a eu des moments très, très durs. Il y a eu des passages même à vide, on peut le dire. On peut remonter au début de la saison. Mais pareil, là, il y a du matos. Il y a aussi quand même pas mal d'expérience. Tu as eu des matchs à pression. Tu as eu des matchs qui t'ont donné ce rythme qui va peut-être te servir sur la fin. Donc je pense que Lens, ils sont capables. En vrai, Lens, je pense que oui, quand je dis expérience, NZO, je parle de l'expérience récente de cette saison. Tu as quand même joué l'Europe, c'est pas rien, tu vois, ça reste quand même assez important. Et puis pour la descente, moi, je me tiens à ce que j'ai dit en début de saison. Montpellier, ils sont pas très loin, hein, je me fais attraper toutes les semaines, hein, justement, par les supporters montpelliérains, mais je vous vois quand même descendre, les amis. Moi, vous m'avez toujours pas convaincu. Et puis Metz et Clermont, parce que ça a pas bougé, hein, Metz et Clermont, là, pour le coup. Pour réussir à sortir de cette zone, ça va être très difficile. Et je vois Nantes quand même. Je vois Nantes, Bruce, se maintenir pour les mêmes raisons que Yous. Moi, je pense que l'électrochoc va marcher. Les gars, ouais. Je pense que le coup de l'électrochoc, ça va marcher. Non, la phrase est de page Ligue 2. Hein. Je crois qu'il a pas trop envie. Hein. Il l'a déjà fait par le passé. Je laisse ça à Pipion et Poano. Quand ils parlent de Ligue 2 entre eux, je les écoute et ça me va très bien comme ça. Donc la Ligue des Champions à Leblay. Hein. Ouais, ça serait ouf, ça. Ils sont en train de construire un nouveau stade, en plus, Brest. Ouais, hein, mais il sera pas prêt pour... Le timing va être compliqué, là. Un peu compliqué. Ok. Écoutez, messieurs, voilà, on s'est fait notre petit point Ligue 1. Il nous reste pas tellement de temps. On voulait faire le tribunal, mais je crois que ça va être un peu juste. Un quiz, si tu veux. Sachant qu'on a le quiz aussi. Donc, pour faire rentrer... Ça va vite, le tribunal, Poineau ? Ah. Il y en a 4 seulement ? C'est quoi ça? Bon, on fait le tribunal alors. C'est quoi? C'est quoi le tribunal? C'est les prédictions. C'est les prédictions du début de saison. Tu suis ou... j'ai pas compris. Allez, bon, on fait le tribunal en rapide. C'est J'avais parti. Deuxième épisode de ce tribunal. T'as encore coup. Ma gueule, c'est ça? Non, c'est tout le monde qui prend, Bruce. Vas-y, j'ai hâte de voir ça.
Première prédiction foireuse donc du début de saison. L'idée, c'est de trouver qui avait fait cette prédiction. Yous, je te donne le concept parce que toi, tu l'avais pas fait. On découvre la première prédiction. Poineau, Newcastle en demi-finale de Ligue des Champions. C'est donc à partir de ce moment-là que ton ami il a été suspendu. Le braque de Saint-Gaspard. Les mecs sont de retour à l'DC, c'est même pas on passe les groupes. Quoi. C'est direct dernier carré. Merci, braque. Il y a pas de demi-mesure. Je m'en souviens très bien. Mais pour ma défense, les gars, à l'époque, Newcastle, souvenez-vous, franchement, Newcastle, ça faisait rêver tout le monde. Il y avait une belle équipe. Tonali n'était pas encore suspendu. Non, il y avait vrai eu de beaux recrutements. C'est facile de rigoler, mais moi, je pensais que Newcastle allait faire un petit truc. Alexander Isaac, à l'époque, ça faisait rêver aussi. On ne connaissait pas la poule à ce moment-là. Non, je crois qu'on ne savait même pas. Donc, on ne savait même pas qu'ils allaient être dans la poule de la mort. Moi, je ils étaient quatrième chapeau quand même. Pardon ? Ils étaient quatrième chapeau. Oui, mais même en étant quatrième chapeau, moi, je pensais qu'ils avaient vraiment le talent. Tu vois, je voyais une très belle équipe capable de faire une saison en trompe, donc voilà, qu'est-ce que je te dise. C'est jouable, pas grand-chose, hein, finalement. Merci toi, en tout cas, de m'avoir Poucap. Toi, je vois que toi, t'es prêt pour Poucap. Je te connais par cœur, tu devrais être flatté. Hein. On enchaîne avec la deuxième prédit. Le Real Madrid sera éliminé en poule. Bon, bah. Finira derrière l'Union. C'est la spéciale Braga. Bon, ben bah, voilà, écoutez, j'ai déjà une partie des menottes là, au poignet, donc voilà, c'est bon. Vous là, c'est plus les menottes, c'est comment la camisole ou le queutru. La camisole dans Batman. Ah hein, ouais, là, c'est bon, les gars. On rappelle, ils ont fait 18 sur 18. ils avaient fait carton plein. Et l'Union, ils ont fait quoi, 0 pointé ou ils ont pas gagné un match, l'Union. Ils ont été cataclysmiques. En plus, c'était pas un groupe de la mort, c'était Naples, Braga, Union. Mais vraiment, c'était tranquille. Bon, bah voilà. On enchaîne. Allez, troisième, s'il vous plaît. Ramos et Guiri sur le podium des buteurs en Ligue 1. Alors ça, c'est sûr, c'est pas moi. Ça peut être moi, ça. Ça peut être toi. Ça peut être Kanto aussi. Non, Bruce, il kiffe Ramos, Bruce. Ça peut être moi, mais après, je me rappelle plus, je suis honnête, mais ça peut être moi. Est-ce que ce serait pas Pifion? Non, c'est pas moi. Je t'ai cramé, c'est toi. Si c'est toi, vas-y, réponds. Moi, je pense pas, je pense plus, la vérité. C'est qui? C'est toi, Vivian. C'est Bruce. Ah, bah, vraiment, c'est Bruce. C'est toi qui l'as fait, Bruce. Ouais, mais parce que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Parce que, enfin, à la base, je parle. Parce que Rennes, je m'attendais à ce que ça tourne très bien. Et bon, ils ont fait une première partie de saison cata. Donc voilà, je m'attendais à beaucoup de buts de la part de Rennes. Donc forcément, Guiri, parce que Terrier, lui, il fallait qu'il revienne, etc., petit à petit. Et Ramos, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de temps de jeu et donc au PSG, bah, il allait faire des stats. À sa décharge, il y a eu l'adaptation compliquée avec le virus où il a perdu quasiment 10 kilos. Ouais. Là, on a pu voir qu'il est revenu, c'était un petit peu mieux. Mais c'est vrai que Ramos, si tu dis c'est lui le numéro 9 du PSG, il y a des chances. Ouais. Ouais. En vrai, ça aurait pu ça passer. Ça va si c'est ça. Ça va. Et il en restait une dernière, c'est ça, Poineau. Hein. Dernière prédiction foireuse. Burnley termine en première partie de tableau. Déjà, Burnley. Avant-dernier. Honteux, Pipio. C'est donc toi qui fais le hipster à chaque fois, là. Mais après, c'est la pire équipe de PL. Ils avaient roulé sur la Championship. Combani était un super coach. Je me disais, ça prend et ça n'a jamais pris. Donc voilà, je suis passé à côté. Mais là, pareil, je mets les menottes. Mais je me disais, voilà, ils reviennent. Ils ont des joueurs d'expérience de PL. Ils étaient descendus un an avant. Ils ont fait un mercato assez intéressant. Ouais. Et tu vois, c'est même pas. Là, ils sont vraiment dans le dur de ouf. Ouais, puis quand tu les vois, t'as l'impression de voir Aston Villa, West Ham, tout ça. Donc ça passe un peu. Je parle le maillot un peu. Tu vois, tu sais, ça peut te donner cette impression. Ouais, non, j'ai pas confondu. Hein, t'inquiète, j'ai vraiment mis Burnley. Après, ils sont quoi? Ils sont avant-dernier? Ouais. Si tu considères que le dernier, c'est une seule partie de tableau, ils sont en première partie. Est-ce qu'il est gentil, ce Yous? Il est trop gentil. Donc voilà, moi aussi à mon tour. Yous, t'avais pas fait des prédits, toi? Non, bah. Non, mais j'ai eu que des bonnes. Je crois que t'étais pas là, Yous. Ouais, mais j'en aurais eu des bonnes. Dommage. Bon, bah, en tout cas, voilà les prédictions. Alors, ce qui aurait même pu être drôle, ça aurait été de repasser les passages où on s'expliquait justement à l'époque. Ça aurait été. Ah, t'essayes de justifier le truc. Voilà, c'est ça. Puis on se retrouve, ils disent alors, ils ont recruté lui, ils ont fait là, c'est un grand plan, t'as l'impression que ça va jouer l'Europe carrément. Et il a dû parler de Compagnie en mode, cette génération de nouveaux coachs et tout, je suis sûr. Franchement, c'est ça. Si on fait un troisième épisode du tribunal, Poison, ça se trouve, il a évolué. Cité Xabi Alonso quand il a parlé de Compagnie. C'est possible. On connaît maintenant l'animal là. Bon, messieurs, on termine l'émission tranquillement avec le quiz de Bruce. Je te laisse la place, Bruce. C'est le quiz de Poineau, mais on était parti sur un délire, je l'avais commencé, mais Poineau, il a voulu continuer. Donc. Ok. Salut le chat. Ça marche. Allez, on se retrouve dans le chat. Allez, désolé le chat.
Vous n'allez pas nous manquer. Oh. Oui, je t'entends, Poilo. On éteint les tablettes, bien évidemment. Ok. Ah si, si, hop. Ah. Là. Ah, le chat, bon, on verra. Je vois vos messages. Ah, par contre, toi, Braque, t'as pas de... Si, elle est là. Si, si, j'ai. Tu l'as ? Non, pour effacer. Ah oui. Il veut juste écrire. Il va pas... ouais. Non, c'est pour... Ah, c'est pour moi. Toi, j'ai rien suivi. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ah, oui, allez, complètement prêts. Alors donc, ça va être spécial Euro. Ok. Voilà, ah, bon, ça me plaît. Ça. Ça va avec le délire en ce moment, la trêve, etc. L'euro qui arrive. Ouais. Première question. Je pense qu'on va partir, vas-y, sur une question, sur une ardoise. Ok. Donc, vous notez... Vous allez noter deux choses. Il va falloir une équipe... Il y a un nombre à côté, ok ? Ok. Donc, quelle équipe a participé à le plus d'euros après l'Allemagne ? Donc, la sélection qui a fait le plus d'euros derrière l'Allemagne. Donc, vous me notez l'équipe et vous me dites le nombre à côté. Celui qui est le plus proche, si vous avez la bonne équipe, c'est un point. Celui qui est le plus proche au niveau du nombre, il a un point, ok ? Ouais. C'est super dur en vrai, ça. Hein. Retrouver le chiffre, c'est super dur. Est-ce que tu comptes les qualifiés à l'Euro là, 2024 ? Je crois pas que c'était compté. Hein. J'avoue, là, je suis pas okay. sûr. Tu me poses une colle, ah, t'es relou. On sait jamais. Mais je pense pas, non. C'était les euros déjà joués de mémoire, donc je pense pas. L'équipe, c'est un point et le chiffre, c'est un point aussi, c'est ça ? Ouais. Ok. Vous mettez un chiffre, un nombre et une équipe. Donc derrière l'Allemagne, comme ça. Bon, les gars. Ouais. Moi, je vous laisse 5 secondes encore. C'est bon pour tout le monde, Yous ? Yous, il est en train de faire un exposé, frère. Non, mais... ok. Allez, on retourne. Italie, 22 pour moi. Enfin, je sais pas, moi, les chiffres. Je t'ai dit, de toute façon, les 22 chiffres... 22 Ah ouais, enfin, moi, laisse tomber les chiffres. C'est un inverse, mais... Ok. Italie, 14. Angleterre, 6. Alors, eh ben, personne n'a l'équipe. Non. Et celui qui est le plus proche, c'est Pipion, parce que c'est 12. Ouais, mais si t'as pas l'équipe... Non, j'ai dit un point trucs. Par truc, ah, je l'ai dit dès okay. le début. Okay. Et donc, l'équipe, c'était l'Espagne. Ah, ouais. L'Espagne okay. avec 12. Braque, 22, t'es parti loin. Je crois que l'Allemagne, ouais, c'est pas 15 ou 13 ou je sais plus, c'est un truc comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée. Braque, c'est vrai qu'il allait loin. Après, non, fois, c'est dur à quantifier, oui. En fait, déjà, il faut savoir combien il y a eu d'euros, bah, ça, depuis quand ça existe. Mais du coup, il n'y a que Pipion qui a un point. Ok. Là, il va falloir me donner une réponse, pareil, au niveau de l'ardoise. Donc, parmi ces quatre équipes, laquelle a déjà participé à un euro ? Donc, on a la Bosnie, Géorgie, Lituanie, Lettonie. Il n'y a qu'une équipe qui a participé à un euro parmi ces quatre-là. Donc, vous me notez l'équipe. Je peux répéter les équipes, s'il te plaît ? Bosnie, Géorgie, Lituanie, Lettonie. Une équipe qui a fait l'euro. Pipien, j'ai l'impression qu'il l'a suivi. Ah, si, si. Ouais, tu connais, toi, t'as la réponse. Vous les avez à l'image, vous avez les logos, donc oui, vous avez... Non. Si vous avez besoin que je vous répète une dernière non, fois non, les équipes, bon. Peut-être bon, non, c'est a, bon on les a. Pipien, il était trop sûr, donc je pense qu'il a déjà son point, lui. Il n'a pas hésité une seconde. C'est bon pour tout le monde, ouais, on retourne. Bon. Bosnie... Lituanie, Lettonie. Ah, c'est Pipion, la réponse, c'est Lettonie. Ouais, ouais. L'Euro 2004. Ouais. Mais c'est vrai que Bosnie, t'as envie de le mettre. Ah et... ouais, c'est le piège. C'est ouais, le piège. C'est, ouais, c'est piège. Donc, Pipion, 2 points, il reste la bulle, si je ne me trompe pas. Oui, la bulle. Pour, la bulle. Pour le moment, c'est la bulle. Alors, vas-y, pareil, je vais vous faire travailler à l'ardoise comme ça. Non, mais comme ça, c'est pas celui qui lève, machin. Ouais. Donc, troisième question. Qui sont les trois meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro après CR7 ? CR7, c'est 14. Donc, il faut me noter les trois derrière. Trois noms à écrire, en gros. Voilà. Et bien sûr, tu les as pas notés, Poineau. Donc... Ouais, mais tout le monde t'entend, là. Moi, j'ai pas d'oreillette. Moi, je... Ok. C'est bon, vous avez donc les trois meilleurs buteurs derrière Cristiano. Donc, il faut trouver le 2, le 3, le 4. 2, 3, 4, exactement. Ah ouais. Il faut que je relance le truc. Ok, je les ai, ouais. Je m'en rappelais, bien évidemment, mais c'était pour être sûr.
Je vous donne juste un petit indice, les gars, parce que je suis gentil. Il y a un joueur qui est encore en activité sur les trois. Okay. Voilà, ça peut vous aiguiller un peu. Moi, je vais essayer juste d'avoir un point. C'est tout. Juste un point. Ah, ah oui. Mais j'avoue, elle est pas simple. Hein. Ouais, c'est... Elle est pas simple. Ah oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Non, mais moi, j'ai besoin... Vas-y. Putain, est-ce que je peux vous donner... Si je vous donne un autre indice, c'est... ça va peut-être être trop... Je vous donne un indice juste sur un joueur, ok ? Ouais. Il y a un joueur anglais qui n'est plus en activité. Ok. Juste, c'est le seul truc que je vous donne. Si je vous donne un autre indice sur les autres trucs, ça va être, je pense, un peu beaucoup plus simple. C'est bien quand ça réfléchit, au moins c'est qu'on apprend des choses. Ah ouais, là t'inquiète. C'est ça qui est bien. Le joueur encore en activité, je t'avoue que... Joueur encore en activité, ouais. Ouais. Et pas des moindres. Pas des moindres, mais là je peux pas vous donner d'indices. Non, c'est normal. Trop là. Les gars, je vous laisse 5 secondes encore. Sinon on va pas finir. 5... 4, 3, 2, 1, c'est parti. Platini, Rooney, Müller. Platini, Gascon, Morata. Et toi, Braque ? Moi, je veux juste un point. Bierhoff, Klinsmann et Bobby. Ce sera la bulle. Et bah, il y a un point pour les deux parce que Platini y est. Ah ouais, ah, ouais. Du coup, on a Platini, on a Alan Shearer. Shearer, on a Grisou. Je te jure, je l'avais hésité. On a ce bon vieux Grisou. J'y pouvais six pas. C'est à l'Euro 2016. Je pouvais, voilà. Je l'ai mis. C'était trop dur de vous donner un indice. Pour moi, t'as préféré mettre des joueurs qui jouent en noir et blanc. Mais oui, parce qu'en fait, je me suis dit, avec des légendes, j'en aurais au moins un, deux points. Putain. Mais j'avoue, elle était pas évidente. Ah ouais, Rooney. Donc, Yous, tu marques ton premier point, c'est ça? Donc, pour le moment, t'es en finale. C'est le plus important. Putain. Le premier duel, il est là. Pion, il est à 3, 1 et 0, je crois, si je dis pas de bêtises, au niveau des points. Bon, les gars, nouvelle question. Pareil, ardoise. Là, c'est un peu plus simple pour le coup. Il y a des points, je pense, assurés. Vous allez devoir me noter 3 joueurs qui correspondent au dernier MVP des derniers Euros. Donc 2012, 2016, 2020. Qui a fini à chaque fois MVP du tournoi. Donc il y a 3 joueurs à me donner pour ces 3 compétitions. C'est clair pour vous, je répète. 2012, 2016, 2020. Qui a terminé MVP à chaque fois. Donc vous avez 3 noms à me donner. Tourou, tourou, toutout. Toutout, toutout. Ah, je crois que ça hésite un peu. Disons que 2012. Bah, en vrai, si vous arrivez à resituer... qui avait gagné machin et tout. Ouais, justement, à chaque fois, j'essaie de... Vous avez un... Ouais. Après, il y a pu avoir une hésitation entre quelques joueurs en soi, mais... Le chat, ils sont plutôt bons, là, j'ai l'impression. Bon, après, ils font des copier-coller, des fois, donc... Mais il y en a sur le chat qui l'ont, en tout cas. Pour le perfect. Poulou, poupou. Poulou, tout. Vous en avez combien là dans le lot ? Moi j'en ai mis 3, mais. Okay. Braque, t'en as écrit combien ? J'en ai 2. Ok. Il m'en manque 1, j'en ai 2. Braque, 5 secondes ? Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. On retourne, les amis. Iniesta, Grisou, Donnarumma. Iniesta, CR7, Donnarumma. Grisou, Chiesa, Villa. On a un perfect ici. Et c'est Yous. Oh, Iniesta, Grisou et Donnarumma. Donc 2 points pour Pipion et Braku, malheureusement. Griezmann. T'as un point, quoi. Ouais, Griezmann, ouais. T'as un point avec Grisou. Okay. Mais tu sauves l'honneur. Ouais. T'as mis ton petit point, au moins t'es c'est, là. C'est mon premier point, putain. Exactement. Yous, bien joué. Merci. Tu recolles un peu. Alors là, ça va être une compo à trous. Donc qui concerne la demi-finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Espagne. Il va falloir retrouver... les 3 joueurs
qui manque. Non, il y en a 4. Il y a 4 joueurs à retrouver sur la compo. Donc, je rappelle, demi-finale de l'Euro 2020, Italie-Espagne. Voilà. Euro 2020. Ouais, Euro 2020. Je pense qu'il y en a... Ouais. Bah après, quand t'as les réponses, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Mais il y en a un, le gardien, bon, vous pouvez le sortir, mais c'est vrai que c'est pas celui peut-être auquel tu penses tout de suite. Mais en vrai, il est trouvable, je pense. Et les autres, vous pouvez les avoir. Pour moi, vous pouvez les avoir. Enfin, il y en a au moins 2, je pense, où c'est bien. Ouais, ouais. Bon, il y en a sur le chat Contou. C'est quel poste qui vous pose le plus problème? Bah, le DC. Ouais, le DC, ouais. Gardien. Ah, le DC, putain, ouais, si je vous donne. En vrai, le DC, les gars, comme si vous non, pouvez ça, pas, ça, quand ça, vous ça. Allez. Là, c'est l'indice que je vous donne. Moi, sans, je l'ai, donc sans j'ai pas. Vous donner d'indice. J'ai pas d'indice. Quand vous allez voir, les gars, vous allez dire non, c'est pas possible. Normalement, vous pouvez vraiment le sortir, les gars. Ah ouais? Mais je vois même pas quel indice je peux vous donner. Non, que non, c'est vas-y, trop. T'inquiète. Je pense que j'ai. Mais par rapport à ce que je vous dis, il y a forcément quelque bah chose oui. autour de ce joueur. On a, tu vois ce que je veux dire? En soi, c'est un indice. C'est le jeu. Non. Braque 5 secondes. Il m'en manque un, il manque juste le DC. Ouais, allez, on retourne. Alors, on a Morata, Coquet, Laporte, Unai Simon. J'ai le même que toi. Simon, Morata, Coquet, Laporte. Dans le même ordre. Albiol, Reina, aïe, aïe, aïe. Braque, la bulle. Alors, Reina. Et là, vous deux, c'est 3 points. Ah, merde. C'est quoi, c'est Simon? Celui qui manquait. Olmo, j'ai Olmo. Ah, la c'est Olmo qui manque. Je me suis dit, c'était Olmo. Dany Olmo. Ouais, la porte, c'était la puerta, mais c'était porte, dur de vous donner un indice là-dessus. Non, mais c'est bon, en fait, j'ai retrouvé. Ouais, j'ai zéro. Je me souviens plus si c'était la Coupe du Monde ou l'Euro, il rejoint. Content, mais c'est vrai que Morata, ouais. Tout le monde se serait fait niquer en vrai. Ouais, non, c'est... Ouais, mais quand tu y repenses, tu vois Olmo, ouais, ça te revient, mais bon. T'aurais mis l'Italie, je faisais un 4 sur 4. Dommage. L'Italie. Et alors? Alors là, les gars, juste, je vous préviens, balance pas l'image tout de suite, ok? J'explique juste. Donc là, les gars, vous allez voir une image. Il va falloir lever la main, du coup, au plus rapide et me dire ça correspond à quel match. D'accord. L'image en question. C'était ouais. Quelle affiche, quel match. Ouais. Ok, c'est bon pour vous? Allez. Ouais. On peut balancer l'image. J'ai l'impression que c'est Scipion, ouais, légèrement. France-Irlande, 8e de finale 2016. 2-1 pour la France. Ouais, c'est ça. Perfect, un point pour eux, ça a été vif. Hein. Mais vous avez tous levé la main très vite, mais t'as été légèrement. Si, légèrement, je pense aussi. Ouais, j'ai eu l'impression de le voir avant de tout, le lever. C'est léger, mais je crois que t'as été plus vite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ouais, là, c'était complexe. Si même celui-là, j'avoue, si même t'aurais là, pu le mettre en ardoise pour qu'il mette. Pas grave. Mais j'aurais été capable de mettre France-Roumanie. Hein. De quoi t'as dit? Bah, moi, j'aurais plus fait ardoise. Hein. C'est un parcours. Moi, je pense que ça a plus de sens ardoise. Les gars, ardoise. On est sur l'Euro 2004. Il va falloir me noter le parcours dans l'ordre de la Grèce à partir des phases finales, en gros. À partir des huitièmes. Ah non, quart. Quart, il n'y avait pas de huitièmes. Ouais, c'est ça, quart. Donc, quart, demi et finale, vous me mettez dans l'ordre le parcours de la Grèce. Bon, normalement, vous allez avoir des points assurés. J'ai même envie de flex avec le groupe. Je crois que. Je sais pas si je l'ai. Là, j'ai pas le groupe, je vais pas te mentir, mais tu pourras flex si tu veux et nous le rappeler. J'ai peur qu'il demande le groupe. Ou qu'il fasse une compo à trous. Ah ouais. Caristeas. Les bons vieux 1-0 des attends, familles. Attends, poteau, c'est pas toi qui joues là, frère. Et alors ils réfléchissent mais, plus mais vite, laisse-moi réfléchir, mais poteau. Au moins un, braque. Il rend ouf lui aussi. Et c'est... Attends. Est-ce que c'est bon à coup du coup ou t'as besoin encore de 2 secondes? Non, ça va. Allez, on retourne. France, République Tchèque, Portugal. France, République Tchèque, Portugal. Bon, bah tout le monde a le plein. Les de anciens. Points. Hein. Et du coup, le groupe Pipion. C'est vraiment des anciens. T'auras pas de point bonus, mais le groupe, je l'ai pas, mais on te fait confiance, essaie de nous le sortir. J'aurais.
Portugal, ça c'est sûr. Ils avaient joué le Portugal en finale et en poule. Peut-être dit aussi Espagne-Russie. Ah, je suis pas sûr. Hein, ils perdent. Portugal le gagne chat, le match ouverture. Nous Portugal perd ici une ou deux minutes. Le Portugal gagne le match ouverture contre Gagne le match ouverture et ils perdent en finale. C'est ça. C'est ça. Avec Nikopolidis. Alors là, les amis, ça va être à tour de rôle. Et donc, on va commencer par Brac, vu que c'est toi qui as le moins de points. Donc, à tour de rôle, il va falloir me donner la liste de l'équipe de France à l'Euro 2016. Donc, un joueur, en fait. OK. Un joueur et chacun votre tour. Donc, okay. Après, Youss en deux et Pipi en trois. OK, comme ça. Un joueur. Alors, je commence avec Dimitri Payet. Dimitri Payet, OK. Antoine Griezmann. OK. Giroud. OK. André-Pierre Gignac. OK. Adil Rami. Ouais. Pogba. Ouais. Je vais en donner des sûrs. Blaise Matuidi. Ouais. Lloris. Patrice Evra. Laurent Koscielny. Il y a un doute de ouf. Non, c'est bon. Ça. Ah, il avait peur. Putain. Il est bon. Moussa Sissoko. Bah oui, bien sûr. Un match de ouf sur la finale. Didier. Il avait été incroyable même sur pas mal de matchs. Pour la finale même. Samuel Umtiti. Ouais. Paul Pogba. Hein. Déjà dit. Il a été dit. Ah, il a été dit, pardon. C'est une deuxième chance. Bah, du coup, si c'est pas Polo. Ouais, bah N'Golo. Voilà. C'est un indice en vrai. Hein. C'est toi qui as le moins de points. C'est vrai. Mandanda. Ouais. Bakary Sagna. Ah, je l'avais après. Ouais. Areola. Areola. Pas sûr qu'il était déjà là. Dehors, bref. Je crois pas c'était lui. Vous avez dit deux gardiens, le troisième, vous l'avez pas encore dit, mais c'est pas lui. Ah, ça a commencé de chaud. Je sais pas, il y en a combien. En vrai, je crois qu'il y a. Ah, c'est bon. Ok. Ouais. Moi, Lucas Digne. Ouais. Ouais, il en reste 4-5, non ? Ouais. T'es sûr ? Je crois qu'offensivement, il y en a deux que vous avez pas dit. Au milieu de terrain, il y en a un ou deux, je sais plus. J'ai un doute si vous l'avez dit. Il y a le gardien et en défense, il en manque un que vous avez pas dit. Deux en défense, je dirais deux en attaque ou un et un ou deux au milieu aussi. Martial ? Ouais. Alors, je vais tenter le gardien. Costil. Ouais. En défense, je pense qu'il vous en reste. Je crois qu'il y en a. Deux, non, ah c'est non, ça. Ah non, deux que vous avez pas dit. Pour moi, il y en a deux que vous avez pas dit. Et au milieu, un ou deux. Et en attaque, un. Je vais tenter Jallet. Jallet, c'est bon. L'autre qui vous manque, du coup, c'est DC. Ouais. Il y a un DC que vous avez pas dit. Il y a un milieu. Il et dessine. Du coup, il y en a, pas, en y en a un, je crois que vous n'avez pas dit, un offensif. Ça, il manque un offensif, un milieu, un joue DC. Côté, je crois, que vous n'avez pas dit. Et c'est pas un petit joueur, mais je crois que vous l'avez oublié. Est-ce qu'on tente un truc ou pas, Youss ? Là, comme ça, là, tu sais, le cerveau, il chauffe, là. 5. Ah, j'ai un DC. Oh. 4. J'ai un DC, Mangala. Ouais, Mangala. Bien vu. GG. Coman, voilà. Ah, c'était lui. Et là, il reste qu'un milieu. Donc là, vous avez dit tous les attaquants. Il reste un ou deux milieux. Je sais plus s'il y en a un, vous l'avez dit ou pas. Mais il y en a un que vous avez pas dit, pour sûr. Et vous avez quasiment fait toute la liste. C'est beau. Toi, tu l'as, le milieu, sûr. Je crois que je l'ai. Mais je suis pas... Il y en a un, je sais plus si vous... J'ai un nom à le dire. 16... Ça se trouve, vous en reste plus qu'un, du coup. C'est possible. 5. Bon, Rabiot. Non. Et par contre, est-ce que tu peux finaliser ou pas, Pipion ? Cabaye ? Ah, il n'avait pas été dit, Cabaye. Non, et je voulais le dire, Cabaye, j'y étais. C'était un des deux, c'est sur lui que j'avais un doute et il y en a un autre. Un nom compliqué. Schneiderlin ?
Schneider. Ouais, Schneider. En cabane, je l'avais, je me suis dit 2006, c'est trop tard. Bien joué, Pipion. Je le vois titulaire le match contre la Suisse, le 3ème. Ah, c'est pour ça. Du coup, il reste une 9ème et dernière question. Gros suspense pour la finale. Est-ce qu'on fait une question à 12 points pour que Braque ait Ah bah oui. T'as combien de points là, Braque? J'en ai une question à 7 points. J'en ai 4. On fait une question à 7 points. Il a 6 points de moi. Est-ce qu'on fait une question à 4 points ou non, pas? Mais ça non. Dépend non, c'est... Mais non, frère, il n'y a aucun mérite. Mais je veux participer quand même. À la finale? Non. Non, juste la dernière question. Ah, après là, attention, c'est une question où vous pouvez marquer de 1 à 4 points. Ah, ouais, ça changera rien. Oui. Ah, si, tu mets 4 points. Il a 6 points. Mais non, j'en ai pas assez. Il a 6 points d'écart avec moi. Ah, oui. Je croyais que c'était 4. Non. Ah, bah ouais, c'est foutu. Bah, on peut faire quelqu'un de double. Non, mais c'est pas. Non, tranquille. Bon, bah, les gars, on l'a fait pour la forme. Et du coup, vous levez la main, comme ça, vu qu'il n'y a plus de suspense pour la finale, ça va plus vite. Euro 2020. Le parcours de l'Italie à l'Euro 2020. Donc, après les poules, pareil, tableau final. Levez la main et vous citez une équipe. Ah, c'est pas ardoise. Ah. Non, bah non, vu qu'on va aller plus vite. Vas-y. Angleterre. Ouais. Il avait levé la main avant. Ah, ah bon, toi. Autriche. Ouais. Espagne. Ouais. Et la dernière? Je l'ai pas. Moi, j'en ai une. Ah non, moi, je l'ai pas. Ouais. La Belgique. Ah, bien. Je l'avais pas. Bon. Tu reviens là, Braque. Non, mais ça aurait dû être ardoise en vrai, ça. Ouais, mais vu que là, il n'y avait plus de. Pour qu'on aille plus vite. S'il y avait du suspense, on l'aurait fait ardoise. Okay. C'est ce que j'ai dit. C'est... Okay. Voilà. Je pense que là, ça avait du sens d'abréger. Bon, bah, bonne finale, les gars. Hein. Merci. Le fameux qui suis-je, les amis. Ah. Ouh là. Le fameux qui suis-je. Est-ce que vous êtes prêts? Lumière tamisée, petite musique. Là, on veut une musique bien d'ambiance. Prêt? Allez. Qui suis-je? Alors, je suis né en Allemagne en 1985. Je rejoins les équipes de jeunes de Stuttgart dès mes 16 ans. Mario Gomez. Putain. Incroyable! Bien joué. Ah, bien joué. Il attend pas de jouer. Franchement, il a la dire. Très vif. Juano, il avait écrit un parpaing. Ah ouais. Il avait écrit un parpaing. Lis au moins un ou deux paragraphes pour rentabiliser le pot. Ouais, quand même. J'ai marqué 21 buts en 2 saisons avec l'équipe réserve, ce qui me vaut d'être appelé avec les professionnels. À partir de 2004, mon ascension est fulgurante car à partir de 2007, je suis nommé footballeur allemand de l'année. Au total, j'inscris 87 buts en 5 saisons avec Stuttgart. Et malgré une contre-performance lors de l'Euro 2008, je suis courtisé par les plus grands clubs européens. C'est au Bayern que j'atterris contre la modique somme de... Quelqu'un se rappelle 25 du prix? Millions ou 30 millions enfin, 30 c'est... millions. Ouais, mais c'est ton joueur préféré ou quoi? Je veux pas dire l'histoire, mais... Club dans lequel mes débuts sont difficiles car barrés par le duo Olic et Thomas Moula. La saison 2011-2012 me permet de repartir sur une bonne dynamique. Avec l'Euro en ligne de mire, j'inscris 26 buts en 33 matchs de championnat. En revanche, la Ligue des Champions se refuse toujours à moi avec une deuxième défaite en finale, cette fois-ci contre Chelsea. Nous ne parvenons pas non plus à aller au bout de l'Euro 2012 avec la Mannschaft, bien que je termine co-meilleur buteur de la compétition. Une blessure lors du mois d'août 2012. Ça va pas l'affaire, là. Hein, ben non, on va au bout. On a dit un peu. On apprend sur lui. C'est Il est 20h40. Bon, bah, allons-y. Une blessure lors du mois d'août 2012 et l'avènement de Mandzukic signe petit à petit la fin de mon parcours munichois. Après une saison compliquée, je prends la direction de l'Italie et de la Fiorentina où je disputerai 3 saisons avant de tenter une expérience turque à Beşiktaş. Bravo! Non, franchement, nickel. Bravo. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette émission. C'était super cool. Il y a un vrai duel quand même entre les deux. Non, mais des fois, c'est son poil à gratter un peu. T'as vu, il y a un truc, c'est pour ça que j'ai pas voulu tu vois, me qualifier. C'est pour ça que tu les as laissés. Ouais, ouais, tu connais. C'est bien sûr. Pour le storytelling. Pour le storytelling, je peux pas venir. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a le maillot de Beşiktaş. Ils ont non, en vrai, c'est parce que quand j'étais petit. Non, je suis à la Stuttgart petit. Mais un peu bizarre. Donc, on a un truc avec Poinot, la corruption. Non, du coup, en Allemagne, je connais. J'aime bien Stuttgart, voilà, c'est D'accord, voilà, étrange. C'est le nouveau Slumdog Millionnaire, encore une fois. Il a tous les éléments. Merci beaucoup de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve lundi prochain. Merci, Bruce. Merci, les gars. Merci pour le quiz. Merci, Yous.
Merci Bravo Braque, pour la victoire. Merci le chat, merci la prod. Et merci Pipion. Merci Braque, merci la régie. Ah, il est yeah. À très vite. Ah non, non, franchement. Mais là, mais là, bon là, ça va, c'est moi. J'ai le compétiteur, c'est normal. Ah ouais. Et merci pour la petite chronique sur les top 5 des documentaires foot à regarder. Vous aurez le replay, bien sûr, comme d'habitude, demain sur YouTube à partir de midi ou aux alentours de midi. Merci à tous ceux qui ont bossé sur l'émission en régie, Poineau, Popo, toute la team. Et on vous dit à lundi. Salut tout le monde. Ciao.